Bonjour à tous et bon réveil. Toute l'info ce vendredi en direct sur Canal 3 Bénin et sur Actu Matin, votre matinale. Merci d'être avec nous. Au sommaire, le forum du jour, notre sujet fait de société, tel que mise en ligne depuis hier, profession et mariage. Le savez-vous, il y a de ces hommes qui interdisent à leur épouse d'exercer, de travailler pour des raisons qui leur sont propres. Et ils estiment parfois que le métier qu'exerce la femme portera préjudice à la vie de couple. De même, des femmes qui estiment que le métier qu'exerce le mari, par exemple la profession de journaliste, d'avocat, de magistrat, de politicien, d'homme en uniforme, l'expose et le rapproche plus des femmes. Il faudra donc choisir, quitter son métier, sacrifier sa carrière pour sauver son mariage. C'est notre question ce matin. Et vous, Zénith, allons faire le débat. Déjà des réactions sur la toile, on les partagera avec vous. La ligne sera ouverte également pour vos interventions en direct. Merci de votre présence. Vendredi, culture, deux artistes à recevoir après le débat de ce matin. Mr. Franklin, alias le Tigre Blanc. Il fait de la musique, auteur de 3 albums. On vous le fera découvrir. Celui qui va suivre, on ne le présente plus. Dans l'arène, il est un vieux routier. Il tire sa source d'inspiration du cultuel pour nourrir le culturel. Sa musique connue, sa carrière remplie, avec dans sa vitrine le trophée Cora remporté en 1998 en Afrique du Sud. Sévi Kojovi Ebawade est notre guest star du jour. Prenez donc le rendez-vous. À suivre les caricatures de la semaine avec l'enfant Claudio et puis la revue de presse de Séraphin Assiangbon pour refermer la matinale de ce vendredi. Et en ouverture, la revue des titres avec Wahab Alipara qui nous emmènera ce matin en France. L'actualité, c'est bien sûr la restitution des œuvres d'art du Bénin. LBM vous souhaite joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Du 15 décembre au 5 janvier, elle vous offre jusqu'à 25% de réduction sur la location de la Ford Everest, un véhicule tout-terrain et très confortable pour tous vos déplacements. Profitez de cette belle opportunité en appelant tout de suite le 60 60 60 01, le 60 60 60 63 ou le 95 16 00 02. LBM, notre passion vous transporte. Allez, ce matin, ce vendredi matin, nous allons parcourir comme à nos habitudes les gros titres de la presse nationale avec vous, Wahab Alipara. Bonjour. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Les premières informations nous conduisent directement en France avec Fraternité qui titre ce matin « Restitution des œuvres d'art du Bénin ». Le Parlement français approuve, le Sénat émet des réserves. Information à retrouver à la page 3 du quotidien Fraternité. Le sociologue, anthropologue Kalis Wédé au sujet des relations amoureuses. La vie sexuelle légitimée dans le mariage est aussi tributaire de l'âge. Réception d'arrêtés d'agrément, l'école supérieure Sainte-Félicité parmi les meilleurs établissements privés. Pour le loyaux service rendu à la nation, le directeur général Émile Koubadi fait chevalier de l'Ordre national de mérite. Remis des arrêtés d'agrément, UATM Gaza formation de Dr Stéphane Haï, championne des épaisses avec 23 filières agréées, dont 10 d'orientation emploi dans le secteur, sinon dans divers secteurs. UATM IC après 30 ans donc d'expérience dans les universités privées, et c'est donc au rang des meilleures universités. Le soleil levant à présent, restitution des œuvres historiques du Bénin. Le Parlement français a adopté la loi pour hier. La France a maintenant un an pour remettre les 26 œuvres à la partie béninoise. Deuxième conférence des préfets du Bénin, plusieurs dossiers majeurs en discussion pour mieux faire en 2021.
Bénin Intelligent, 60 ans, sinon 50 ans. 50 ans d'existence de l'université d'Abomey-Calavi, évaluation sans complaisance. Le recteur Maxime Dacruz décrypte les défis aujourd'hui. Les missions de départ ne peuvent plus être celles d'aujourd'hui. L'université doit être davantage dans une logique d'anticipation. Frontière bénino-nigériane, fin de 16 mois de galère. Et puis Patrice Talon, propos de Patrice Talon, relayé donc par Bénin Intelligent. Le Bénin est riche de nos efforts. L'autre vision, session criminelle à la Créette, coup de balai dans les mairies et recette perception de l'Oumé Plateau. Affaire tricherie au concours de recrutement d'auditeurs de justice, l'étau se resserre autour des complices. De grosses têtes risquent de tomber, selon l'autre vision. Nord-Sud quotidien à présent, restitution des œuvres culturelles du Bénin, le Parlement français adopte la loi. Et puis, stratégie pour l'enseignement, la formation technique et professionnelle des élèves professeurs béninois en formation à l'Académie de Versailles. Le challenge en 4 du programme d'action du gouvernement de zéro, Patrice Talon a porté le Bénin en héros. Retour des biens culturels au Bénin, le Parlement français adopte définitivement le projet de loi. Le matinal présidentiel de 2021 des Assises nationales. Pour quoi faire, s'interroge le journal, en référence donc à cette doléance de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Gouvernement du nouveau départ, les réalisations de tous les records sous Talon. Les quatre vérités, frontières entre le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Cameroun. Mouhamadou Bouhari ordonne la réouverture, mais suspension. Le ministre Donat Jean-Claude Oussou rassure Dangoka et la Sobebra en ce qui concerne donc la fourniture continue de l'énergie électrique. Matin libre, Bénin présidentiel de présidence de la Cour suprême qui pour succéder à Ousmane Batoko et puis remise d'arrêté d'agrément aux universités privées UATM Gaza formation de docteur Ayi championne des épaisses avec 23 filières agréées. Quotidien le meilleur, relation bilatérale entre le Bénin et le Nigeria. Yannick Emmanuel Dessous salue la réouverture des frontières. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité, donc qui revient sur la restitution des œuvres d'art du Bénin et nous apprend que le Parlement français a approuvé, mais pour l'instant, le Sénat émet des réserves. Et voilà, le Parlement français qui part vote de 48 voix pour, aucune contre et 8 abstentions à adopter le projet de loi sur la restitution des œuvres d'art au Bénin. Le Sénat, par contre, n'a pas donné son aval. Le quotidien Fraternité le précise. Cette chambre s'indigne contre ce qu'elle appelle les cadeaux diplomatiques, allusion faite à la restitution par la France à Madagascar, car la couronne ornant le dais royal de la reine Ravalomanana. Voici donc l'actualité autour donc de cette restitution des œuvres d'art au Bénin. La presse s'en parle largement, vous l'avez constaté il y a un instant avec Ouattara Balikpara qui nous présentait les unes du jour. On va y revenir en fin d'édition avec la revue de presse et puis le sociologue anthropologue Caliste Ouédé. Au sujet des relations amoureuses, il déclare la vie sexuelle légitimée dans le mariage est aussi tributaire de l'âge. Ses propos sont à lire dans les colonnes du quotidien Fraternité, parution de ce jour, et c'est en page 6 et 7. Restez avec nous sur Actu Matin, l'info en image à partir de cet instant. C'est le mini-journal avec vous, Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres.
Le parti Bloc républicain célèbre ses 2 ans d'existence. L'événement n'est pas passé sous silence dans la 18e circonscription électorale. Les manifestations ont eu lieu dimanche dernier à Lokosa. Après Cotonou, Alada et Tofor, le président de la Cour suprême est allé dans les communes de Ouida et Kpomassé. Une tournée initiée par Ousmane Batoko pour échanger avec les officiers de police judiciaire et les magistrats. Merci beaucoup. Le développement de ces titres, c'est dans un instant. Depuis quelques années, la société Wangyu Binin fabrique du fer à béton made in Binin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. Le 8 décembre dernier, le parti Bloc républicain a soufflé ses 2 ans d'existence sous le leadership du député Rosine Dagneau et d'autres figures du parti. Cet anniversaire a été célébré dimanche dernier à Lokosa sous le signe de la mobilisation générale. Chauffeur Messin. Un dimanche 13 décembre 2020, festif pour les acteurs du Bloc républicain de la 18e circonscription électorale. Rosine Dagneau et d'autres figures de pro du parti de la 18e circonscription électorale ont aussi fêté l'an 2 d'existence du BR avec des militants à la base. Il y a exactement 2 ans que le grand parti à cheval blanc est né. Le parti BR, c'est le parti rassembleur. L'an 2 du Bloc républicain. 2 ans, un enfant qui a 2 ans, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Ça veut dire que nous avions grandi. Créé le 8 décembre 2018, le Bloc républicain a soufflé le 8 décembre dernier sa 2e bougie. Dans la 18e circonscription électorale que composent les communes de Bopa, de Ruyogbe et de Lokosa, l'événement n'a pas été passé sous silence. Cette salle de conférence de l'hôtel Link de Lokosa a été pour ces acteurs du parti un lieu de réjouissance et de bilan du chemin parcouru. C'est la 2e force politique du Bénin. Je crois que les 2 ans n'ont pas été chose facile. Dans ces 2 ans, nous avons eu des députés BR, nous avons eu des maires BR, nous avons eu des conseillers BR. Je tiens sincèrement à dire merci à tout un chacun de vous. Je dirais simplement aujourd'hui 2 ans de notre bloc que nous sommes en train de fêter. Je dirais merci quand même à l'honorable pour l'organisation. Ce qui a permis qu'on soit ici cet après-midi. Je dis merci aux organisateurs. Ce n'est pas facile. Pour la circonstance, la fête a connu la présence remarquable d'un hôte de marque. Il s'agit du député Joseph Anani de la 17e circonscription électorale. Soyez fiers de vous. Soyez sincèrement fiers de vous. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ne pensez pas que le Bloc républicain va diminuer de force, disparaître comme d'aucuns ne le disent, pas du tout. Je voudrais féliciter votre maman, notre grand-sœur ici présente, pour avoir convoqué cette rencontre pour célébrer l'anniversaire. 2 ans, c'est beaucoup. Je voudrais encore une fois vous souhaiter bon anniversaire pour vous dire le meilleur reste à venir. Les perspectives du parti ont été soulignées. L'objectif de se mettre en ordre de bataille pour une participation active à la prochaine échéance électorale a été martelé. Le parcours est long, mais nous y arriverons. Rien n'est pas si la vie. Nous ne pouvons pas être désunis pour aller à ce combat. Je dis bien combat. C'est un combat qui nous attend. Et nous devons gagner. Nous devons gagner. Mettons-nous tous ensemble. Tenons-nous la main dans la main.
L'engagement de Rosine Danyiro et de ses compagnons est ferme et sonne la mobilisation générale de la troupe. Le BR, c'est 37 députés sur 83 et c'est aussi 735 conseillers communaux au plan national. Atelier de formation des partis politiques et des membres de la CENAR sur les procédures de gestion et de contrôle des fonds publics. Organisé par la CENAR, les assises ont pour but d'amener les acteurs de la chaîne des dépenses au sein des formations politiques à acquérir les bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics. Imet Hélène Amousseau, Georges Faudenot. La rencontre est organisée sur initiative de la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est un atelier de formation des partis politiques et des membres de l'institution chargée de l'organisation des élections au Bénin. Les échanges portent sur les procédures de gestion et de contrôle des fonds publics. Les assises interviennent suite aux réformes du cadre juridique relatif à la charte des partis politiques et à leur financement, étant désignés pour le suivi du fonctionnement des partis politiques, mais également pour la répartition des fonds mis à leur disposition par l'exécutif, la CENAR s'applique dans la mise en œuvre des tests et lois réglementant le processus. Le financement public des partis politiques concourt, entre autres, au fonctionnement des partis politiques, à la promotion de leurs programmes politiques, à leur participation aux consultations électorales, à la formation de leurs militants, à l'éducation civique et politique de leurs membres et des concitoyens en général. Par ailleurs, en son article 8, cette loi dispose que la Commission électorale nationale autonome répartit le montant du financement alloué aux partis politiques en même temps qu'elle est chargée du suivi de sa gestion. Enfin, l'article 15 de la loi suscitée précise que les partis politiques bénéficiaires du financement public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Vous conviendrez donc avec moi que tout manquement aux dispositions mentionnées supra est passible de sanctions. Plusieurs panels et communications sont prévus pour meubler la rencontre. L'objectif visé en initiant ces échanges est d'amener les participants à s'approprier les tests qui réglementent les dépenses des fonds publics alloués aux partis politiques. Il s'agira au cours de cet atelier d'amener les acteurs de la chaîne de dépenses au sein des partis politiques à s'imprégner des exigences liées à leur rôle de comptable et d'être aussi formés sur les bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics mis à leur disposition. C'est donc en vue de garantir une bonne formation, une bonne acquisition des procédures en vigueur dans notre pays en matière de gestion publique que nous avons fait appel à des personnes ressources averties qui vous présenteront des communications, lesquelles communications seront suivies d'exercices pratiques de gestion à travers plusieurs panels. Pendant une semaine, membres de la CENAR ainsi que les représentants des formations politiques vont se familiariser avec les tests, lois et procédures. Pour la concrétisation des ambitions nourries, l'institution organisatrice s'est entourée d'experts et de personnes ressources. Le ministre du cadre de vie en tournée de visite de chantier était ce mercredi dans la cité de Nanto. Didier Tonato est allé constater de visu l'évolution du chantier de construction du marché de Natitengo. On fait le point. Le ministre du cadre de vie sur le chantier de construction du marché de Natitengo, accompagné d'une délégation de son ministère et des autorités de Natitengo, Didier Tonato est venu s'enquérir du niveau d'évolution des travaux. Ce qui nous importe ici, quand on fait le déplacement, c'est de voir si le chantier se déroule selon un rythme correct, si les cahiers des charges de part et d'autre sont respectés par l'entreprise, par la mission de contrôle, et si l'agence également fait une bonne supervision de façon à ce que l'infrastructure soit délivrée en temps, mais aussi en qualité. L'autorité a donc revisité le plan du marché sur carte avant de parcourir tous les compartiments sur le chantier afin de toucher du doigt la réalité de ce qui se fait et qui permettra d'avoir une infrastructure marchande digne de ce nom, même si l'on note un retard de 10%. Nous avons noté que le planning, il y avait un écart de 10%. L'entreprise s'est engagée à livrer à bonne date,
même plus tôt, et elle a pris l'engagement de livrer, de procéder à un constat d'achèvement en avril. Le rythme est satisfaisant. Le rythme est satisfaisant. La qualité délivrée l'est également. Nous sommes à peu près à 48% de taux d'avancement pour 60% de délai consommé. Il y a un retard à rattraper. Et les discussions avec l'entreprise ont permis de comprendre que les échéances seront respectées. Les échéances seront respectées. Il se peut même qu'il y ait des surprises agréables à la fin. Le maire de la commune de Natitingou s'est donc réjoui de cette avancée dans le travail et a par la même occasion remercié une fois encore le chef de l'État qui a initié ce chantier. Ce marché va grandir de Natitingou parce que c'est un marché sous-régional. Nous sommes persuadés que vu la qualité de l'infrastructure, et que c'est un marché de taille. Et nous remercions son Excellence Monsieur le ministre du cadre de vie ici présent, à travers lui le chef de l'État, qui a pensé que Natitingou mérite cette infrastructure très importante à envergure internationale. Par rapport à ce que nous avons vu, je l'ai dit au départ, c'est satisfaisant. Mais il y a des marges de progrès qui sont nécessaires. Nous en avons parlé avec les entrepreneurs, l'entrepreneur, pour que ces petites malfaçons soient rattrapées. C'est rien de bien important, mais c'est nécessaire pour la qualité et la durabilité que nous recherchons. Le ministre Didier Tonato a promis de revenir à Natitingou dans les prochaines semaines afin de toujours veiller à un bon achèvement des travaux. Le président de la Cour suprême poursuit également sa tournée après Cotonou, Alada et Tofor. Ousmane Batoko est allé échanger avec les officiers de police judiciaire et les magistrats des communes de Ouida et de Kpomassé. On fait le point avec Assombo Kanyi. Assombo. L'exercice est le même partout où le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, est passé. Dans la matinée du mercredi 19 décembre, sa délégation et lui sont allés au commissariat central de police de la ville de Ouida, où a eu lieu une séance d'échange. Puis, la visite les a conduits au tribunal de première instance de deuxième classe. La proximité que vous établissez avec la police judiciaire, avec la justice, me permet de vous y encourager. Et surtout de vous proposer que davantage d'attention soit attachée au service de la police judiciaire de vos commissariats. Nous en avons besoin, nous autres, parce que sans la police judiciaire, la justice n'existe pas. Dans l'après-midi, c'est la commune de Kpomassé qui a accueilli la délégation de la Cour suprême. Les échanges se sont déroulés avec les officiers de police judiciaire du commissariat d'arrondissement. Ici aussi, Ousmane Batoko a plaidé pour une justice qui ne fait pas peur aux justiciables. Cela exige un minimum d'engagement de la part de ceux qui ont pour mission d'assurer la sérénité au sein de la société, d'assurer les bons équilibres dans la confrontation des intérêts et dans les conflits de toute nature. À Ouida comme à Kpomassé, le président de la Cour suprême n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'instauration de la paix sociale. Des experts béninois et nigériens évaluent les conclusions et recommandations issues de l'évaluation du bilan de la mise en œuvre de l'entente entre les deux pays pour la campagne de transhumance transfrontalière 2020. Les travaux se sont déroulés mercredi dernier à Cotonou. On retrouve Assombo Kanyi. Assombo. Rencontre bilatérale Bénin-Niger à Cotonou le 16 décembre pour la transhumance transfrontalière 2020. Elle est consacrée à l'examen et à la validation des conclusions et recommandations issues de l'évaluation du bilan de la mise en œuvre de l'entente. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord signé en février 2020 entre les deux pays.
L'objectif de cette réunion ministérielle est d'offrir un cadre d'échange politique de haut niveau entre les décideurs du Bénin et du Niger, afin qu'ils puissent examiner et valider les éléments saillants du bilan de la mise en œuvre de l'entente entre les deux pays, ainsi que les leçons tirées et les recommandations formulées. Ainsi, la validation par les ministres des propositions concertées qui ont été formulées par les parties prenantes dans les pays contribuera à créer les conditions propices à la concrétisation des recommandations ici de l'évaluation. En prélude à la rencontre, les experts se sont retrouvés la veille pour procéder à l'analyse critique du bilan de la mise en œuvre de l'entente. La rencontre a accouché de rapports dont la synthèse est présentée à cette session ministérielle pour amendement. Au terme de la mise en œuvre de cette entente, il était normal de procéder à son évaluation à travers une analyse critique des experts au cours des concertations décentralisées tenues d'abord à Kandy, à Gaïa, puis des rencontres nationales qui ont débouché sur une réunion transfrontalière bilatérale à Parakou pour la mise en commun des analyses et des recommandations. La session qui s'ouvre ce jour donnera l'occasion de passer au peigne fin les conditions de mise en œuvre de l'entente, les difficultés l'ayant entravée, les leçons apprises et les recommandations subséquentes. Cette expérience entre le Bénin et le Niger a bénéficié du soutien de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont soldés par un communiqué final. Je vous invite à présent à suivre un extrait du communiqué issu des travaux de cette session ministérielle. L'initiative conjointe des gouvernements de la République du Niger et de la République du Bénin, avec l'appui technique de la CEDEAO, s'est tenue à Cotonou, au Bénin, le 16 décembre 2020. La session ministérielle consacré au bilan de l'autorisation exceptionnelle d'entrée de 50 000 têtes de cheptel du Niger au Bénin. Au titre de la campagne de transhumance transfrontalière 2019-2020, les ministres ont examiné le rapport des experts dont ils ont jugé satisfaisante la qualité. Les ministres ont noté avec satisfaction le bon niveau de mise en œuvre des engagements pris par le Bénin et le Niger dans le cadre de l'accord exceptionnel de gestion de la transhumance transfrontalière 2019-2020. Les ministres apprécient à sa juste valeur les difficultés rencontrées par les acteurs des deux pays dans la mise en œuvre de certains engagements, notamment celui de la transmission par la partie nigérienne de la liste des candidats à la transhumance entre les deux pays. Les ministres s'engagent à amplifier ces actions pour mieux sécuriser le pastoralisme et assurer le développement du sous-secteur de l'élevage. Les ministres ont débattu du souhait de la République du Niger de voir l'entente renouvelée pour lui permettre de gérer les problèmes persistants et conduire plus sereinement les réformes en cours pour une stabilisation du cheptel ruminant. Les ministres se sont engagés à rendre compte au gouvernement des deux pays des conclusions et recommandations issues du processus d'évaluation conjointe de l'entente conclue en février 2020. Les gouvernements des deux pays se feront le devoir de définir de commun accord les nouveaux contours que pourrait prendre la coopération entre les deux pays pour la gestion du pastoralisme, de la transhumance, en tenant grand compte des deux principales contraintes soulevées au cours des débats, les contraintes sécuritaires et les défis sites fourragers. La délégation du Niger exprime sa profonde gratitude à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement et au peuple béninois pour la qualité de l'accueil et les facilités
mises à leur disposition et qui ont permis la réussite de cette rencontre. Cérémonie d'hommage au directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, décédé le 27 novembre dernier. Bonaventure Kouakano a reçu les adieux de ses collaborateurs et des personnalités qui l'ont côtoyé. C'est un hommage mérité qui est ici rendu au directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui a rendu l'âme le 27 novembre dernier. La dépouille de Bonaventure Kouakano mobilise ici une kyrielle de personnalités politiques du corps diplomatique accrédité au Bénin, de l'administration publique et bien d'autres. Les acteurs non étatiques sont reconnaissants du rôle majeur que vous avez joué dans leur vie et ne pouvaient en cette circonstance ne pas en rendre témoignage et en exprimer la reconnaissance. Tous, nous avions reçu la nouvelle de votre disparition un peu comme une erreur d'annonce monumentale. Monsieur le ministre, vous avez été là, du début à la fin. Vous avez suivi son cheminement vers la félicité éternelle. Vous avez été comme un frère pour lui et comme un père pour nous pendant toute cette période. Toute sa famille, mes frères, mes sœurs, nos mamans et nous-mêmes, ses enfants, eh bien, nous n'avons pas de mots pour vous exprimer notre reconnaissance. C'est le moment pour les différentes personnalités du secteur agricole qui ont connu et collaboré avec l'illustre disparu de témoigner de son parcours, sa simplicité et son engagement au travail bien fait. Son sens de générosité et d'amour est en effet resté inoubliable dans les cœurs de tout un chacun. Je me rappelle encore, comme hier, les visites d'amitié croisées que nous nous rendions avec nos épouses à Karimama et à Parakou, sur le plan professionnel. Compte tenu de son efficacité, de sa performance et de son ardeur au travail, il a été très tôt remarqué et affecté à Parakou en tant que chef service vulgarisation de la direction générale du Cadet Borgou, fonction qu'il a bien assurée. Au nom de tout le personnel de l'association interprofessionnelle de coton, je voudrais dire à Bonaventure merci. Merci pour ton amour du travail bien fait, ton attachement aux valeurs civiques et morales qui ont caractérisé ton passage au département analyse et prospective de l'AIC. Consultant national et international, tu as contribué au processus d'élaboration de la politique agricole au Bénin et dans la sous-région. Tu as su imprimer le goût du travail bien fait à beaucoup de jeunes du secteur agricole, aujourd'hui consultants ou cadres de l'administration. Nous nous souviendrons de ta force de persuasion au cours des ateliers de présentation des innovations institutionnelles pour appeler la conjonction des efforts au fin de la mise en œuvre harmonieuse du cadre institutionnel et du développement agricole. Bonaventure Kouakano occupait le poste de directeur de cabinet aux côtés du ministre Gaston Doussouri depuis 2017. Âgé de 68 ans, il est natif de la ville de Porto Novo, où il est inhumé le jeudi 17 décembre 2020. Voilà, c'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de journée à vous et très bon week-end. C'est le week-end, et déjà le week-end. Allez, bon vendredi, excellent week-end. Reposez-vous bien, hein, le temps de vous retrouver lundi prochain pour d'autres informations à partager avec nos téléspectateurs. Vendredi sur Actu Matin, tout est relax. Nous avons donc le plateau de la discussion, sujet fait de société à aborder dans un instant avec l'ensemble des débatteurs, Zakiat Latunji, Wahabali Kwara, Herman Parfait Niamboussou et Naguib Alagwe qui vont s'installer en plateau. Et puis deux artistes à recevoir ce matin, Mr. Franklin, le Tigre Blanc. Nous irons au cœur de ses albums. Il en a trois au total. Et on parlera également d'un autre artiste, hein, un vieux de la vieille, un vieux routier, Ebawane. C'est notre deuxième invité ce matin. En attendant de retrouver vers la fin de l'édition l'enfant audio pour les caricatures de la semaine et puis la revue de presse avec Séraphin Assion. Bon, préparez-vous, le débat, c'est tout de suite.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Moi, me donne des comptes, s'il vous plaît. Mais ça, si tu m'as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Hein? Il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. À la maternelle, nous avons des livres comme Éveil graphisme, le livre de mathématiques et le livre de français. Au primaire, vous avez des livres en éducation sociale, scientifique et technologique, des livres de français. Les livres de mathématiques, un livret d'évaluation, des manuels d'anglais, de mathématiques, des SVT et en SVCT également. De la classe de 6e en terminale. Je ne peux pas ne pas témoigner que s'il est question de qualité, si des élèves veulent réussir aux différents examens, je crois que les livres de la collection oxygène sont bien éduqués. Parce qu'au manuel de la collection oxygène, j'ai eu mon bac cette année. J'exhorte tous mes amis et camarades du premier cycle et du second cycle à opter pour les livres de la collection oxygène. Collection Oxygène, disponible dans toutes les librairies du Bénin. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Bienvenue chez Airfroid Technologie. Vous y trouverez des climatiseurs split system, un modèle tropicalisé avec unité extérieure, anti-corrosion, silencieux et très économique en consommation électrique. Vous avez la possibilité de rechanger toutes les pièces possibles en plus d'un service après-vente assuré sur tous vos achats. Pour tout contact, appelez au 00229 21 32 65 43 61 17 63 77 ou visitez notre showroom juste en face de l'église Saint-Jean à Cotonou. Avec la qualité des climatiseurs à Airfroid Technologie, économisons l'énergie électrique. Airfroid Technologie, King Mensa vous le conseille.
7h43 minutes. Nous avons un artiste en plateau. Vous étiez en train de dire quoi? Wahab Star. Wahab Star. Bonjour Wahab. Bonjour, bonjour Christian. Oui, Zakiat Latunji, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Nagui Balagwe, bon retour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Hermann Agnamoussou, bonjour. Bonjour Christian. Alors, bonjour. Le sujet, il est simple. Hein? Mm. Il est simple ce matin. Nous l'avons d'ailleurs posté sur la toile. Ça va s'afficher tout à l'heure avec la réalisation. Peut-on sacrifier, je dirais, sa vie professionnelle, sa carrière pour sauver son mariage? C'est le sujet du jour. Première réaction, la vôtre. Oui, Christian, en disant votre sujet, pour ne pas dire notre sujet, il est tout sauf simple. Hein? Une situation dans laquelle vous vous retrouvez et qu'il faille sacrifier votre boulot pour sauver votre ménage ou peut-être faire le choix de briser le ménage pour sauvegarder votre boulot, ce n'est pas aussi simple tel que vous le dites. Mais on peut connaître que c'est une réalité, ça fait partie des choses que nous vivons, où on se retrouve à ce que monsieur refuse à ce que sa femme travaille. Sur ce cas de l'homme qui refuse à ce que sa femme travaille ou que sa femme ait une activité génératrice de revenus, on peut trouver deux grandes raisons. Il peut y avoir d'autres ramifications. Hein. La première raison, c'est une jalousie. Jalousie de voir sa femme peut-être avec le boulot qu'elle fait et qui la rapproche davantage des hommes. Le monsieur craint perdre sa femme et souhaite qu'elle reste à la maison et que de ses propres efforts, il pourra s'occuper de la femme. Il peut également refuser de lui faire faire des activités génératrices de revenus, peut-être un commerce, une petite boutique et autres, parce qu'il veut avoir... Oui, parce qu'il veut avoir... Parce qu'il veut avoir un pouvoir de domination sur la femme, estimant bien entendu que quand la femme a une certaine indépendance financière, n'est-ce pas, l'homme ne peut pas obtenir la docilité qu'il souhaite de sa femme. Vous voyez. Maintenant, il y a l'inverse, c'est-à-dire la femme qui souhaite que monsieur sacrifie son boulot, c'est-à-dire que monsieur abandonne son boulot parce que elle est jalouse, en ce sens que le travail du monsieur, c'est peut-être qu'il est acteur de cinéma et le rôle qu'il est appelé à jouer, c'est qu'il a la facilité de secouer les fesses des filles dans les films, de les embrasser, etc. Et puis il y a il cette joue jalousie, les fidèles, très bien. Il a peut-être que, bon, c'est un acteur politique. Il joue à l'infidèle voilà. dans le film. Alors qu'au fond, il n'est pas infidèle. Donc, c'est peut-être aussi un homme, un acteur politique qui a trop de relations, une certaine ouverture avec le public et cela lui attire des femmes. Grand magistrat, comme vous l'avez dit, peut-être un homme de télévision. Pourquoi pas un journaliste? Voilà, c'est là que j'allais en venir. Peut-être un animateur télé, un présentateur et autres, où madame est jalouse parce qu'elle estime que, bon, cette, dois-je dire, popularité que l'homme a, ce visage présente chaque fois, n'est-ce pas, attire des femmes et par conséquent, il faut se méfier. Bon, ça existe, hein, ce que dit Wahab. Les cas dans lesquels on s'oppose ou on s'interpose dans certaines situations, par jalousie, etc. Mais il faut dire déjà que, autant l'homme que la femme, si on est vraiment en couple, autant l'homme que la femme a un droit de regard, droit d'appréciation sur ce que fait son conjoint. La femme peut avoir son regard, son appréciation, ses appréhensions sur le travail de l'homme, autant que l'homme peut avoir. Et ce droit de regard peut aller au-delà du simple fait d'apprécier. Pour observer peut-être que la profession, le travail de l'un ou de l'autre comporte des risques pour la stabilité ou l'équilibre du couple. Donc, il peut exister, à côté de ce qu'a dit Wahab, des raisons objectives, des raisons réelles pour lesquelles l'homme s'oppose, par exemple, à ce que sa femme soit dans une profession ou un métier donné, pas travailler. C'est-à-dire, je ne dis pas, l'homme s'oppose à ce que sa femme travaille. Quand on dit, d'emblée, là c'est un autre débat, que ma femme ne doit rien faire, elle ne doit pas travailler, du tout, c'est un autre débat. Quand on dit ce travail-là, particulièrement, je ne voudrais pas que ma femme fasse ce travail-là parce que selon ce que j'ai observé, elle est formée pour ça. Écoutez, combien sont-ils
que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, à se retrouver dans une autre carrière, dans une autre profession, que ce pourquoi on a été formé, mais qui sont épanouis. Et je reviens sur la question, et je vais en venir à la question de l'épanouissement. On dit, sur le fait que maintenant l'homme dise, je ne veux pas du tout que ma femme travaille, là aussi il peut avoir des raisons objectives. Qui ne sont pas que jalousie. Ça existe. Hein? Qu'on s'oppose par exemple au fait que la femme travaille juste par caprice ou pour des questions de jalousie. Mais il existe également des raisons réelles pour lesquelles l'on peut dire je ne voudrais pas que ma femme travaille. Parce que autant que nous sommes, je connais mon épouse, elle me connaît, je connais ses forces et je connais ses faiblesses. Et je sais dans quelle situation elle pourrait se retrouver, qui pourrait être des situations à risque. Comme elle connaît également. Mes limites. Donc, à partir de ce moment-là, je peux estimer. Maintenant, sur la première question de Christian, qui est de savoir si on peut sacrifier sa carrière pour son couple, je pense que oui. Parce que quand vous faites le débat, tout revient à quoi? Épanouissement. Il faut que la femme soit épanouie. Moi, je ne pense pas que le modèle, nos parents travaillaient, nos mères travaillaient, mais ce n'est pas le modèle actuel. Le modèle, c'est-à-dire ce que nous voyons actuellement comme étant le travail de la femme. Ce n'est pas seulement dans l'administration ou en entreprise que la femme travaille. Pour vous, c'est oui. La femme peut sacrifier sa carrière pour sauver son mariage. Est-ce que vous partagez ce oui de Nagui Balagui? Oui, c'est possible, hein. C'est possible, mais juste nuancer un peu et dire que on peut se retrouver dans un cas de figure où c'est l'homme qui sacrifie sa carrière pour sauver son mariage, comme on peut se retrouver dans un autre cas de figure où c'est la femme qui sacrifie sa carrière. Maintenant, après, c'est des choix qui doivent forcément être justifiés. Il y a des raisons qui probablement vont être mises sur la table et le couple, l'homme aussi bien la femme, vont discuter autour de ça et essayer de trouver les raisons qui motivent la chose. Mais ce n'est pas sans risque. Il y a énormément de risques parce que, mettons que moi, par exemple, je sacrifie mon travail pour mon mariage, le jour où ce mariage ne fonctionne plus, qu'est-ce que je fais? Vous allez récupérer votre travail. Alors, je touche du bois. Et je touche du bois pour ça, parce qu'en réalité, personne ne souhaiterait sortir d'un mariage. Chacun travaille à ce que l'union puisse durer aussi longtemps que possible, du matin jusqu'au soir. Maintenant, il y a des situations que vous n'arrivez pas forcément à contrôler. Et donc, la situation vous échappe complètement. Après, nos parents nous ont appris, en tout cas chez moi, que votre travail, c'est votre premier mari. Et ça, on le dit, on le répète tellement. Pardon? Non, nos parents, j'ai bien dit nos parents, j'ai pas dit ma mère. J'ai dit nos parents. Non, donc c'est une femme qui a appelé ça sur ce plateau. Même nos papas, ils nous répètent ça parce qu'au moins là, vous savez que c'est votre travail. Maintenant, par rapport à ce que Naguib disait, ça peut être un choix ou bien une réorientation de choix de carrière. Parce qu'il y a peut-être des dangers ou il y a peut-être des risques par rapport à la vie de famille, à l'épanouissement de la femme, du couple, des enfants. On peut être amené à convaincre la femme à changer de carrière. Mais dire systématiquement que la femme ne travaille pas ou que l'homme ne travaille pas, vraiment, il y a des cas. Quand vous prenez par exemple les femmes qui sont au niveau du corps diplomatique, les femmes ambassadrices et autres qui sont appelées à voyager, il y a beaucoup qui partent avec leur mari, et les maris dans les pays d'accueil ne travaillent pas, ils sont à la maison. Et puis bon, pareil aussi au niveau des femmes, pareil pour les femmes. Donc, d'un cas à un autre, c'est toujours discutable. Et pour vous, donc, c'est discutable, c'est oui, mais... Vraiment oui, mais quoi. Pour vous, c'était quoi déjà? Si c'est moi qui refuse ou bien si c'est madame. Si on peut le faire. Est-ce qu'on peut le faire? Bon, les conditions dans lesquelles je suis, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais. On fonctionne et c'est Naguib qui est catégorique sur la question. C'est oui. C'est oui. Allez, Emmanuel Aniamoussou. C'est délicat. Le sujet est délicat. Ou bien c'est oui, mais. Le sujet est délicat. C'est non, mais. Moi, c'est pas. On ne peut pas sacrifier alors sa carrière. Moi, c'est non. C'est-à-dire abandonner votre boulot, vous occuper de votre femme. Moi, c'est non, mais. Et je parle du cas évoqué par Zakia Latunji. Quand vous avez fini de sacrifier votre boulot et qu'après le mariage, on ne sait jamais, vous savez, l'homme n'est pas éternel sur terre.
Après, c'est le mari qui part ou c'est la femme qui part. Et, ou que le mariage, ça ne marche quand, pas. Ou que le mariage ne marche pas. Quand, ou alors, c'est. Qu'elle est venue détruire votre vie. Ou alors c'est le mari qui, après, au bout d'un certain temps, se met à faire des caprices vis-à-vis de la femme. Parce que justement, nous ne pouvons plus supporter ce qu'il a créé. Quand vous avez dit à votre femme de ne plus travailler, qu'elle ne travaille plus, et qu'elle est à la maison, et que vous dites oui, pour un premier pas, je ne commence pas à t'aider, on va faire ci, on va faire ça. Vous savez, on dit, le gars, il a la bouche mielleuse, il dit, je veux le faire. Et au bout d'un temps. Lorsqu'il se retrouve véritablement face à la réalité, il est fatigué, et la femme devient pour lui un fardeau. Il se met à crier sous tous les toits que bon, la femme ne fait rien, elle est à la maison, ne fait rien. Alors, est-ce qu'il pourra dire ça? Alors, ah oui, il va est-ce le que faire. C'est pas lui qui est à la base. Autant les hommes que les femmes vont le dire. Si c'est la femme qui vous oblige à laisser votre boulot et qu'au bout d'un temps vous devenez pour elle un fardeau, parce que bon, est-ce qu'une femme va obliger un homme à laisser son boulot? Ah, mais tout cela à cause de quoi? Oui, à cause de quoi? Oui, vous avez dit, il y a des hommes. Une héritière, par exemple, qui demande à son mari de ne pas travailler. Rester à la maison. Est-ce que c'est bon pour la stabilité du couple même? Qu'un homme puisse abandonner son boulot parce que la femme l'a dit ou la femme l'a demandé. Si c'est un boulot qui est avilissant pour le couple et que la femme lui dit, écoute, on va t'aider à trouver mieux, je peux comprendre. Mais si c'est un boulot qui est de certains niveaux et qu'elle me dit, non, écoute, laisse, tu vas rester dans ma boutique et vendre des trucs à la maison, on va créer une boutique. Oui, c'est un boulot. Parce que justement, ça devient complexe quand la situation qu'on espère n'évolue pas jusqu'au bout. À un moment donné, il peut y avoir, on nous a appris, un énorme modificateur qui vienne tout chambouler. Et donc, vraiment, le sujet, vraiment, c'est un sujet qui... Chez moi, il n'y a pas de oui, mais il n'y a pas de non, mais il faut relativiser notamment. Mais quand on se retrouve dans un cas où je suis l'épouse de Herman et je dis à Herman, bon, Herman, il faut sacrifier ton boulot parce que ton boulot, là, c'est ça m'empêche d'être heureuse avec toi, d'être épanouie. Tu es une star de la télévision. Et les femmes te courent après. Donc, on va créer notre petite activité, on gère ensemble. Non, à ce niveau, je pense que le fait pour elle de me demander de laisser le boulot est sous-tendu par des arguments fallacieux. Parce qu'elle dit, je suis une star de la télé, que je suis exposé au regard des femmes. Ça, c'est une jalousie qui ne dit pas son prénom. Et donc, dans ce cas, ça veut dire qu'elle m'oblige à quitter la scène publique et à venir pour qu'on crée une la scène privée. Dans ce même cas, on dit, qui a bu boira? Si j'avais commencé par avoir certains comportements, c'est pas le fait même de mettre dans une case grillagée qui m'empêchera d'avoir mes contacts. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand vous n'avez pas préparé votre nouvelle destination. C'est ça, quand par exemple madame demande à son mari, franchement, le travail que tu fais comme ça t'expose aux femmes, bref, une jalousie qui ne tue pas son renom, et qu'elle souhaite que monsieur revienne et autres, et ils vont créer. C'est une folie de la part de monsieur de donner sa démission au boulot et de venir s'asseoir à la maison pour que tout se commence par prendre la dimension des plafonds et autres. Alors que, oui, pourquoi? Parce que l'activité génératrice de revenus qu'il devrait avoir n'a pas été préparée, n'est pas encore préparée. Pour qu'on évalue le travail de couple, ce que ça va donner. Même chose pour un homme qui peut-être demande à sa femme de ne pas travailler. Naguib avait commencé par faire... en tout cas faire opérer un distinguo entre les deux. Pour quelqu'un qui estime que son épouse fait une activité à risque, peut-être parce que la femme est une secrétaire, elle estime que bon, on connaît le commentaire justifié ou non qu'il y a autour des réalités du métier de la secrétaire, où on trouve que bon, c'est quelqu'un qui est appelé à taire des secrets et par conséquent son affinité, ses acquaintances avec le patron peut faire briser le foyer de la dame, en tout cas de la secrétaire. Donc cela peut amener monsieur à être un peu craintif et souhaiter que sa femme laisse ce métier là et peut-être se mettre à faire un autre travail qui l'expose moins. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus cela. Ça n'a rien à voir donc à un homme qui reste de façon péremptoire et qui dit qu'il ne veut pas que sa femme travaille et autres. J'aimerais renforcer, je suis entièrement d'accord avec moi, et j'aimerais renforcer pour dire que autant la femme que l'homme, quand vous en arrivez à observer que le travail de l'homme ou le travail de la femme peut être un problème pour le couple, vous vous asseyez, vous appréciez objectivement et vous faites des projections, vous définissez les perspectives
qu'est-ce qu'il faut faire alors? Que veux-tu que je fasse? Sauf à être capricieux, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un seul travail ou qu'il n'y a qu'une seule situation dans laquelle une personne puisse s'épanouir ou qu'une personne puisse gagner de l'argent. Il n'y a pas. Sauf à être vraiment capricieux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, et tant que je n'ai pas ce boulot-là, je ne peux pas être épanoui. Mais quand vous enseignez, quand vous analysez objectivement et que vous mettez en place, vous savez, on ne va pas faire de langue de bois. Toutes les femmes n'ont pas la même capacité à être résiliente, à résister dans certaines situations. Vous pouvez avoir votre épouse et vous savez que dans ça, si elle se retrouve dans certaines situations, voilà, et qu'il y a des choses, etc., il y a des femmes qui peuvent fondre très plus facilement que d'autres. Vous, en tant qu'homme, c'est une très belle idée. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour le plateau. Bonjour. Nadib, tu Wahab. On vous reçoit pas bien. Oui, vendredi passé, je n'étais pas au rendez-vous. Monsieur Nadib, c'est à une chaîne de télévision. Et bien. Et moi, on m'appelle Arsène Médé-Wayon. Oui, toujours. Bien sûr. Et vous savez, on dit. Peut-on sacrifier sa carrière pour sauver son mariage? C'est ça, non? Absolument. Peut-on sacrifier sa carrière pour sauver son mariage? Voilà. Moi, de mon côté, ce ne serait pas possible. Puisque le travail que je fais de spiritualiste, de métaphysicien authentique que je fais, je ne peux pas. D'ailleurs, que je jette toujours les femmes sur mon dos, dans mon boulot, tout ça. Hein. Donc, comment. Je vais les renvoyer pour faire cela, pour régler un problème de foyer. Ce serait un peu compliqué. Alors là, c'est vraiment compliqué, puisque c'est ce que j'ai appris. Et je n'ai pas autre job que ça. Mais au nom de l'amour, monsieur Medewayo, au nom de l'amour, là, oui. Là, l'amour demain, si je peux dépenser jusqu'à 80%, ça, je peux me couper à la charge du foyer jusqu'à 80-85%, alors là, je m'impose. Donc, parce qu'on est star de la télévision comme Nadib et tout ça, c'est grave. C'est l'amour. Parce que nous devons, Non, mais l'amour n'est pas quantifiable. Si la personne, la dame dont on parle, trouve par exemple son épanouissement dans l'amour que son homme lui porte, pas de souci. Mais par contre, je peux empêcher la femme de faire son job, ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Vous me suivez? Oui. Je peux l'empêcher de faire ce qu'elle fait comme job si cela peut porter atteinte à chose à notre vie de couple. Parce que là, c'est un peu compliqué puisque je connais bien la femme. Si c'est une femme de qui avait son job avant mon arrivée, avant notre union, alors là, ce serait un peu compliqué. Mais si c'est après l'union que ce travail a commencé, alors là, elle va l'abandonner. Je peux commencer par l'empêcher de continuer à faire et je peux trouver autre job. D'accord. Donc, merci. Merci beaucoup, monsieur Arsène Kokoumenewayon. Merci de votre appel. Oui, vous avez la parole. Donc, les deux derniers points que j'aimerais soulever. Je ne conseille à personne de dire à sa femme ne travaille pas parce que pour des raisons de jalousie, etc. C'est même une folie. Parce que je vais vous dire une chose. Une femme infidèle, qu'elle travaille ou non. Quand une femme peut qu'il travaille ou non. Donc dit que parce que vous craignez que votre femme se retrouve dans la situation d'infidélité, il faut l'empêcher de travailler. C'est un faux problème. Le deuxième point. Et si par exemple elle gagne mieux que vous, vous pouvez l'empêcher de travailler? Est-ce que je travaille? Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut. Vous voyez, c'est une question de. Est-ce qu'on peut vivre sur ce que je gagne?
Parce que, en réalité, vous-même, ce que vous dites, un gars est mieux que vous. Si la femme gagne mieux que vous et que vous vous accrochez à ça, c'est que vous vivez au-delà des moyens. Oui, que vous vivez au crochet de vous. Est-ce qu'on peut vivre de ce que je gagne? On s'adapte. On se réadapte. Si il doit en être que, bon, elle abandonne son boulot et qu'on se réadapte. Le tout dernier point sur lequel la question de le travail est le premier mari de la femme, c'est à relativiser. C'est à relativiser. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi on travaille si ce n'est pas l'argent. Après, quand on cherche l'argent, c'est pourquoi? Mais c'est pour la famille. Oui. C'est pour la famille. C'est pour les siens, c'est pour mes parents, c'est pour mes parents. Mais là, les parents qui disent hey, la femme, le travail, le premier mari de la femme, ce sont les parents. On va recevoir le second téléspectateur de ce matin, Naguib. Permettez-nous de recevoir le téléspectateur. Bonjour, bonjour, monsieur. Oui, alors bonjour. Bonjour, monsieur Christian Tanéjean. Bonjour, Herman Metton. Oui, bonjour, monsieur Herman Yanembosou, Nagui Balabé, Wabarari, Wabarari, Herman Metton. Madame Zakiat Latonji. Oui, Herman Metton. Bonjour, merci. Monsieur. Oui, monsieur Christian, en me présentant le thème, vous avez dit que c'est simple. Mais ce n'est pas simple, hein. C'est vraiment compliqué. Hein. C'est un petit thème qui nous amène à beaucoup réfléchir, à dire des choses en direct. Oui. Allons-y. Oui. Vous savez, l'homme peut. C'est difficile pour l'homme de se sacrifier. Parce que lui, comme l'a dit, le dit souvent mon cher ami Herman Aniambousso, c'est la coordination de l'action familiale. De l'action familiale. Ouais. Donc, ce serait difficile pour l'homme de se sacrifier. Moi, quand je prends mon cas, ma femme travaillait au port autonome de Cotonou. Mais vu les pratiques dans ce milieu, j'ai été obligé de demander à ce qu'elle laisse tomber ce boulot. Et là, je suis capable, j'ai les ressources financières qu'il faut pour l'amener à entreprendre une autre activité génératrice de revenus. Voilà. Là, elle a accepté, elle s'est sacrifiée, malgré ce qu'elle gagnait. Vous comprenez? Oui. Mais moi, Herman Metton, je ne peux pas sacrifier ma carrière, mes activités pour sauver un mariage parce que quoi? Peut-être aujourd'hui c'est bon, c'est doux, je t'aime, tu m'aimes, on fait des projets ensemble. Mais demain quand ça va capoter là, vous imaginez la suite? Sans sous en poche, sans le minimum, le mariage même là va voler en éclats. Vous prenez quelqu'un qui travaille, sacrifier sa carrière, il y a carrière dans carrière. Quand vous voyez un vigile qui dit j'abandonne dormir la nuit au portail de quelqu'un là pour sauver mariage, là c'est facile. Vous prenez un meunier, c'est facile. Mais quelqu'un qui travaille dans une institution digne du nom, qui gagne ce qu'il faut, maintenant sacrifier tout ça là pour un mariage alors que les mariages même volent en éclat tout le temps sans sacrifice. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, pour conclure, ce que moi, je voudrais dire, c'est quoi? Oui. Il y a, par exemple, si on va creuser, il y a mariage dans mariage, il y a couple dans couple. Quel mariage vous voulez sauver? Quel couple vous voulez préserver? Avec quelle femme? Quel intérêt? Lorsque vous analysez la situation dans son contexte, c'est à vous de voir si je laisse tout ça là, si ça vaut le peine. Couple, est-ce que demain là, on ne va pas me laisser et que je vais me retrouver encore seul. Hello, je vous remercie. C'était Herman Metton. Merci beaucoup, Herman Metton. Nous avons lu quelques messages de téléspectateurs. Alexis, attends, qui dit « Il n'est même pas question de détruire son mariage pour sauver sa carrière. Il est plutôt question d'éducation. Mettre déjà dans la tête que la femme devient infidèle lorsqu'elle travaille, crée l'infidélité. Et pourquoi nos enfants-filles vont à l'école? Est-ce pour rester à la maison ?» Voilà ce qu'on dit. Et on dit quoi? On va pas à l'école. Firmine Savi qui dit « Ça ne suffit pas pour résoudre le problème de l'infidélité. La confiance dans le couple est primordiale. Mieux vaut laisser sa conjointe travailler et ramener plus pour la famille. » Rosine Assoba qui dit « Bonjour le plateau. Le mari qui refuse à son épouse oublie certainement une chose. Personne ne connaît l'avenir et nous ne souhaitons pas que ça nous arrive. Si le mari décède, par exemple... Voilà que la femme ne fait rien, qui prendra soin des enfants. Et parlant d'infidélité, c'est l'éducation reçue par chacun. Elle peut être dans la boutique
et te trahir. De toute façon, je ne vais jamais abandonner mon travail pour un homme, puisqu'il est mon premier mari. À tout moment, mon mari peut me quitter, sauf mon travail. Ça merci. Le travail aussi quitte. Et bon week-end, vous étiez en train de développer une idée par rapport à ça. Le travail, le, quand on dit le travail, mon premier mari. Ok, d'accord. Et qui est le dernier? C'est moi. En fait, ça rien de moi sûr. Vous n'avez pas, vous, par exemple, bon, vous dites le travail, mon premier mari. Vous vous retrouvez dans une situation, on ne le souhaite pas, je touche du bois, accident de travail. Vous ne pouvez plus travailler. Et puis, l'homme qui aurait pu être peut-être à vos côtés, sans argent, sans rien, et vous apporter l'attention et la tendresse qu'il faut pour gérer cette situation de où vous allez retrouver peut-être des infirmités. Le second mari, l'infirmité là. Maintenant, tu n'avais pas pris le soin, tu n'avais pas pris le soin de renforcer la liaison. Et maintenant, lui, il n'est pas là. Il n'y a personne là. Le premier mari, qu'est-ce que tu en fais? Il ne faut pas envisager le pire. Mais l'histoire sur laquelle le travail. Le travail finit par ennuyer. Le travail là même t'abandonne au moment où tu attends le mot. Il y a déjà des milliers de personnes ont perdu leur travail et en ont survécu. Donc, si on peut perdre le travail, on peut l'abandonner aussi. Merci. Non, il faut comprendre que malgré à travers la philosophie de Naguib, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas travailler. Non. Ça ne veut pas dire que on envoie les filles à l'école pour que bon elles sachent seulement parler français, écrire leur nom et prénom. Non. Ce qu'on est en train de dire, s'il faut sacrifier, et là c'est au conditionnel, s'il faut sacrifier son foyer. N'est-ce pas? Sinon, il faut sacrifier son boulot parce qu'on veut sauvegarder son foyer. C'est parce qu'on a pris des dispositions en amont. Et il y a un temps, si par exemple je suis policier ou bon, on prend ma posture. C'est un métier, on prend ma posture de journaliste. Je ne vous coupe pas, on va recevoir rapidement le téléspectateur. Bonjour. Bonjour, le plateau. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Olo Rodrigue. On ne vous reçoit pas bien. Monsieur Orou. Olo Rodrigue. Ah, monsieur Rodrigue Olo. Ok, on vous écoute. Bon, vraiment, pour répondre tout clair à la question, moi je dirais oui, on peut sacrifier sa carrière pour sauver son mariage. D'accord, expliquez-vous. D'accord. Parce que le mariage, déjà, ça ne concerne pas qu'une seule personne. Il y a la femme, il y a l'homme, il y a les enfants. Donc, parfois, quand on regarde l'ensemble, on est obligé de faire des sacrifices. Parce qu'on est responsable de beaucoup de choses. Oui. Maintenant, ça dépend à quelle étape et à quel niveau il faut faire les sacrifices. Les sacrifices, voilà. D'accord, allons-y. Maintenant, si c'est que, par exemple, je suis un politicien, je peux toutefois refuser d'autres postes pour pouvoir sauver mon mariage. Je suis d'accord. Ça, c'est normal. Mais quand on voit dans d'autres angles, je pense que ça devient compliqué. Ça dépend de ce que... Ça dépend, au fait, le problème, ça dépend de la cause. Surtout. Et je pense que tout homme fait toujours du sacrifice pour pouvoir sauver son mariage. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des petits soucis qui sont là. Et il faut chaque fois faire des sacrifices. Voilà. Et le sacrifice, ça porte toujours un coup sur la carrière de tout homme qui est marié. Ça, il faut le dire. Même si parfois, il faut voyager et laisser son mari et son ménage, ou bien sa femme et ses enfants, et aller faire 5 ans pour travailler, ça, c'est déjà un sacrifice. Oui. Et c'est pour sauver le mariage. Oui. Parce que le mariage, ça va avec beaucoup de responsabilités. Maintenant, quand on prend le contraire, je pense que c'est beaucoup plus difficile à la femme de sacrifier sa carrière pour sauver son mariage. Et c'est ce qui fait que parfois, quand d'autres femmes ont atteint un niveau donné dans leur carrière, les divorces viennent facilement. Elles n'ont pas souvent de mari. Oui. Elle est obligée de quitter son foyer. D'accord. Parce que les exigences du foyer. Oui, très souvent. Elle s'attache à son premier mari qui est son travail. Oui, très souvent, elle s'attache à son premier mari qui est son travail. C'est le langage courant des femmes. Donc, chez la femme, c'est difficile. En réalité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Rodrigue Olou, merci de votre contribution. Oui, réagissez. Non, c'est bon, on va ramener la parole. Rapidement, c'est juste une petite parenthèse de quelques secondes. Oui. Alors, quand on dit que le travail est le premier mari de l'homme, ça ne veut pas dire
de la femme, que le travail est le premier mari de la femme. Ça veut dire que ça le travail passe avant tout. Ça ne veut pas dire non. C'est pour amener la femme à prendre au sérieux son travail. Ça ne veut pas dire que l'homme qui est son mari n'a pas sa place. Non, absolument pas. Non. Donc, non. Aussi bien non, son travail, le mari a aussi sa place. D'accord. Donc, elle doit pouvoir trouver la place pour chacun d'entre eux. Plutôt qu'une seconde, vous avez fait deux minutes. Non, la vérité, quand on dit que le travail est le premier mari de la femme, ça veut dire que dans une situation où la femme a choisi entre son travail, et sa famille, je dis même pas seulement sa famille. N'allez pas dire si, pourquoi vous mettez ici, pourquoi vous mettez des conditions? Ne mettez pas des conditions, c'est ça, ça se transmet de génération en génération. D'accord. Et on appelle les femmes à prendre conscience, à savoir qu'elles doivent vraiment bien travailler, s'occuper de leur travail. Parce que le jour où le mari vous laisse, aussi s'occuper de leur travail et s'occuper de leur foyer. Donc parce le travail que passe avant le foyer. Le mari décide de vous laisser tomber. Mais la casse passe avant le travail et le foyer. Le mari passe. Pardon. On va recevoir. Vous avez la parole. Tout de suite, au retour plateau, vous aurez la parole. Wahab Ali Parao. On va recevoir le téléspectateur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est Bruno Montiop. Oui, monsieur Montiop Bruno. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Calavi. D'accord, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un fait de société. En fait, l'un dans l'autre, il n'est pas question. L'amour se nourrit par le travail qui procure de l'argent. Donc, si vous n'avez pas le travail, même celui qui a dit que le gardien il peut laisser son travail, ce qu'il reçoit comme ressource là permet de tenir son foyer. Et donc, on ne peut pas dire qu'on va laisser son travail. C'est son travail, ce n'est pas un poste. Si on refuse un poste, c'est différent du travail. C'est-à-dire, l'emploi est là. Mais on veut promouvoir la personne qui peut agir sur son foyer, et donc cette personne peut dire non, mais n'a pas dit non pour l'emploi. Et donc il faut que nous fassions la part des choses, laisser le travail, parce que j'aime mon épouse ou j'aime mon époux, et on va devenir quoi si l'époux a une situation, vous savez, on est dans une dynamique de complémentarité. Et le jour où vous n'allez pas avoir de quoi satisfaire les besoins de la femme, ou bien le jour où ça va commencer par attendre chez la femme par rapport à l'homme, c'est que ça va commencer par s'effriter, ou bien le jour où le monsieur va commencer par regarder à gauche, parce que bon, tu lui donnes tout, mais il regarde aussi à gauche, ben, il peut se sortir. Moi, il y a des cas où la femme a sorti le monsieur, si le monsieur ne faisait rien. Lui vivait aux dépens de sa femme. Bon, si il est au dépend de sa femme ou bien la femme est au dépend de son homme, il faut qu'on dépasse ça. Ah, oui, il faut dépasser ça. Maintenant, par rapport à des situations, il y a des compromissions qui peuvent être faites pendant que nous sommes dans le foyer. Et il y a des situations à dire, bon, par rapport à ce travail, je souhaite qu'il y ait telle situation. Moi, j'ai même des collègues qui aujourd'hui, qui hier, occupaient des postes, qui géraient des milliards même, mais il a fallu qu'on a licencié tout le monde. Alors que c'est elle qui prenait en charge un certain nombre de dépenses dans le foyer. Et il a fallu que même le monsieur commence par faire quelque chose, que c'est cette chose-là qui a commencé par garder le foyer jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, il ne faut pas dire que bon, je laisse mon emploi. C'est que mon emploi, ce n'est pas que je vais occuper un poste et que je veux laisser parce qu'on veut faire ma promotion. Ben, je laisse mon emploi pour sauver le foyer, alors que le foyer se nourrit par le travail. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas. En fait, les positions sont différentes et peuvent être variées. Parce qu'en fonction de l'appartenance, ça peut être ethnique, religieuse, ainsi de suite, il y a des éléments aussi qu'on peut toucher pour pouvoir savoir que c'est possible la chose. Mais l'un dans l'autre, pour être vraiment. Pour ne pas faire la langue de bois
tourner autour du pot, ne pas dire la vérité, c'est que ce n'est pas une évidence. Merci. Merci beaucoup, monsieur Bruno Montchor. Merci. Oui, je vous retrouve. Je veux dire, on est plus soulagé lorsque, par exemple, madame demande à son mari de laisser tomber son boulot, c'est-à-dire de sacrifier ce boulot, n'est-ce pas, au profit d'un autre travail. Parce que si c'est définitivement ne pas travailler, venir rester à la maison parce qu'elle elle a un travail et autre qu'elle va vous entretenir, ça pose un véritable problème. Et c'est pourquoi je disais qu'il faut préparer votre nouvelle destination. D'accord, vous êtes journaliste, madame s'inquiète parce que vous êtes présentateur, vous attirez des femmes, etc. Bref, tout ce qu'elle a dans la tête, encore que ça c'est une justification farfelue, comment dire, une raison farfelue à mon avis. Bref, si vous trouvez que cela menace votre foyer parce que vous avez déjà des enfants et autres, que si madame s'en allait, comment vous allez vous occuper des enfants? Bref, vous évaluez tout cela. Vous dites, d'accord, quelle est ma prochaine étape? Quelle est ma prochaine destination? Je laisse le journalisme, je ferai quoi pour que nous puissions entretenir la maison? Vous avez fait la question tout à l'heure à Naguib de savoir si madame travaillait, gagnait plus que vous. C'est à vous d'abord d'évaluer le gain que madame avait plus que vous là. Quels étaient ses effets, n'est-ce pas, sur vous? Parce qu'il y a de ces femmes qui gagnent des millions pendant que monsieur est à peine à 100 ou 120 000 francs, c'est pas, mais c'est monsieur qui s'occupe de tout et nous savons combien de ces femmes, hein, et nous savons combien, n'est-ce pas, dans beaucoup de foyers, les femmes dépensent très peu. Ça ne veut pas dire que dans les foyers, les femmes ne dépensent pas. Mais il y en a qui gagnent plus que leur mari, mais les grandes charges de la maison sont prises en compte, sont prises par monsieur. Donc, il faut voir votre nouvelle destination. Même chose pour une femme dont le mari dit ne travaille pas, ou bien ton boulot là, le métier que tu fais est un travail qui menace, n'est-ce pas, la tranquillité de notre foyer. Par conséquent, je souhaite que tu l'aies. Donc il faut peut-être préparer la nouvelle destination. D'accord, parce que ça menace le foyer. Où est-ce que vous allez? Il faut préparer cela avant de partir. Il y a un téléspectateur qui était au bout de fil. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Christian. Bonjour, monsieur, présentez-vous. Bonjour, Placo. Bonjour, monsieur. Je suis Cyprien Merintor. Cyprien Merintor. D'accord. Oui. Vous nous appelez d'où? Zobo. D'accord, on vous écoute. Ok. Le sujet, c'est un sujet délicat. Mais moi, mon niveau là, c'est franchement, c'est pas possible. À quelle femme aujourd'hui, avec la difficulté qu'on éprouve aujourd'hui pour avoir un boulot et toutes ces raisons qu'on est en train d'énumérer, la jalousie et autres là, tu lui demandes de laisser son job? Pour quelle destination? À quel homme aujourd'hui, moi, on peut me demander aujourd'hui d'abandonner mon boulot pour sauver mon mariage? C'est pas possible. Le mariage, c'est juste. Le mariage aujourd'hui, il peut définir jusqu'où peut aller un mariage dans la vie actuelle. Personne. Tu peux abandonner ton boulot aujourd'hui dans le souci de sauver ton mariage. Et après-demain, le mariage va t'éclater, va s'envoler. Tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver à la maison. La femme est partie. Elle n'a pas fait son ramancho ailleurs. Et les enfants. Et vous retrouvez sans boulot. Tu vas te retrouver sans boulot. Vous allez demander pardon au patron. Pour la femme aussi, moi je ne peux jamais demander à une femme, donner un conseil à une femme d'abandonner son boulot et sauver son mariage. Nos maris d'aujourd'hui. Nous pouvons dire, autant que nous sommes, vous êtes sur le plateau là, est-ce que vous pouvez donner cette certitude à votre femme aujourd'hui que oui, c'est vous seul, vous savez de ce choix je parle? Donc, mes chers amis, l'un dans l'autre là, ce n'est pas possible. D'accord. Monsieur Mélenchon, merci. Oui. Erwan, réaction? Oui, je voudrais qu'on... J'espère que je ne serai pas bousculé par les appels téléphoniques. Je voudrais qu'on recadre un peu le sujet. Monsieur, parce que je crois comprendre que nous parlons ici de carrière. Et pas de boulot, ni de job.
attention. Absolument. Oui, on a dit la carrière. Ça veut dire un policier, par exemple. Ça veut dire que, par exemple, quand je prends le cas de quelqu'un qui a fait la faculté de droit, qui a fait 5 ans, 6 ans, et qui devient avocate ou avocat, vous lui demandez d'abandonner cette carrière-là. Mmh. Il a tout, ses parents ont investi pour qu'elle devienne avocate. Oui. Ses parents aussi ont investi pour qu'il devienne avocat. Mmh. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué parce qu'elle n'a plus que ça ou il n'a plus que ça. Dans ce cas, et je rejoins un peu ce qu'Arab a dit, c'est que c'est quoi la destination nouvelle? Est-ce que là où vous l'envoyez, il avait déjà appris à le faire? Mmh. Tabinon rien de bon, hein. Comme on le dit chez moi en fond. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit à donner à tout le monde d'être opérateur économique ou d'être commerçant ou d'être revendeur, d'être dit. Là où Zakia peut entreprendre et marcher, je peux aller sur le terrain et jouer. Donc je n'ai pas appris ça, d'accord? C'est compliqué, c'est très compliqué. Si c'est un job, c'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai appris à faire des tas de choses et le boulot vient, je suis dedans, je peux changer de job parce que le mari trouve que mon job met en difficulté la vie du couple. C'est un peu complexe. Absolument, c'est de ça qu'il est question. Je voudrais qu'on puisse vraiment accentuer les raisonnements là-dessus. Je pense qu'il y a un aspect de la question. Il y a deux petits mots qui biaisent l'analyse. C'est ça. On ne peut pas demander. Moi, je ne vois pas la chose sur l'angle de demander. Je dis, quand la situation se présente... Non, c'est pas ce que je dis. Quand il y a des situations, quand elles se présentent, vous êtes obligé de vous asseoir et de réfléchir à la question du travail de l'homme et de la femme. Il y a des situations qui se présentent. En réalité, je ne prends pas la question sous l'angle de... C'est-à-dire, le monsieur a demandé à sa femme de rester à la maison. Je ne vous coupe pas. Vous allez développer, je ne vous coupe pas. On va écouter celui qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je suis bien sûr canal. Oui, vous êtes en direct. Merci beaucoup. Je suis intéressé par le débat. Je m'appelle François Adissa, j'appelle de Cotonou. Monsieur? François Adissa. D'accord, monsieur François Adissa, on vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous féliciter pour ce choix. Oui, merci. C'est un problème très, très important dans notre société. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas de façon péremptoire dire « tu ne travailles pas ». On doit pouvoir accepter que chaque couple analyse sa situation par rapport à son environnement et par rapport à sa situation sociale. Donc, de façon péremptoire, on ne peut pas dire « tu ne travailles pas, tu travailles, tu ne travailles pas ». Tout à l'heure, quelqu'un a donné l'exemple d'une femme qui est diplomate, dont le mari est, disons, dans une fonction dans le pays. En fonction des conditions qui vont être posées, le mari peut dire « je vais ou je ne vais pas ». Et chacun analyse, ils ont des enfants ou ils peuvent ne pas avoir des enfants. Donc, ça c'est un. La deuxième chose, je voudrais féliciter ma sœur qui est sur le... Oui, Zakia. Entre parenthèses, je voudrais lui dire bravo pour ce qu'elle a posté. C'est très, très joli. Merci beaucoup. Alors, elle a parlé justement de l'allégorie... Le travail est le premier mari de l'homme. Naguib a tenté de l'attaquer. Mais je pense que Naguib ne s'est pas mis dans notre société. Sinon, il n'allait pas prendre cette phrase au premier degré. Et pourquoi on dit le travail est le premier mari de la femme? Vous allez remarquer qu'on ne dit jamais ça à une femme mariée. On dit toujours ça à la jeune fille qui est en apprentissage ou bien qui est en devenir. Occupe-toi de ton travail parce que demain... C'est ça qui va amener le mari. C'est ce que Zakia voulait dire. D'accord. Je vous remercie. Okay. Merci bien, monsieur François Adissa. Oui, vous avez... Sur ce point, par contre, il m'a convaincu. Je suis d'accord pour dire que on ne peut pas, comme il l'a dit, sur des raisons. On ne peut pas. C'est pas, je ne vois même pas une situation dans laquelle un homme s'assoit pour dire à sa femme, toi, je décide que tu ne travailles pas. Moi, je pense que... C'est normal. Moi, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on est appelé à y réfléchir. Imaginez un instant, autant que nous sommes ici... Et ce sera votre dernière prise de parole. Oui. Autant que nous sommes ici, nous avons des situations familiales, etc. La femme travaille, vous travaillez également. Imaginez un instant, par exemple, dans des situations où la femme est nourrice. Et que vous devez être amené à gérer, par exemple, un bébé, il n'y a pas de domestique, la femme va au boulot, vous allez au boulot. Tous les matins, c'est le stress.
il y a des situations qui sont plus graves que ça. Mais quand cette situation-là se présente, vous êtes amené. Moi, je connais des couples dans lesquels, quand on dit, est-ce qu'on peut. Je connais des gens qui ont sacrifié leur carrière pour leur famille. Je connais des femmes qui l'ont fait. Je connais des femmes qui l'ont fait. Il y a des situations dans lesquelles des couples s'asseyent pour dire, bon, écoute, on met ton travail là, en veilleuse, le temps qu'on finisse de faire les enfants, 2 ans, 4 ans, 6 ans, et après, tu peux démarrer une carrière. Je connais des gens, par exemple, qui sont artistes, des femmes qui sont artistes, quand elles se mettent dans une situation de vie familiale, elles accrochent quelque part leur carrière d'artiste, elles finissent de faire des enfants, et puis ensemble, avec le mari, ils s'entendent pour dire, bon, maintenant, on peut relancer. Merci. Donc, je dis, si ça se fait, c'est que ça peut se faire. D'accord. On merci. Peut le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nagui. C'est pas sur l'humeur de quelqu'un, non. C'est la situation qui vous oblige à y réfléchir. Merci beaucoup, Nagui. La vision qui s'impose. Dernier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, présentez-vous. Allô? Oui, allô, vous êtes en direct sur Canal 3, présentez-vous. Merci beaucoup. C'est monsieur Barthélémy Lokonan. D'accord, on vous écoute. Barthélémy Lokonan. Ouais, j'appelle de Caravi. D'accord, on vous écoute. Ok, merci beaucoup pour le sujet de ce matin. Je voudrais sincèrement vous remercier, vous tous. Merci. Notamment. La seule dame qui est souvent parmi vous. Ouais, notre maman plateau. Je voudrais vraiment lui dire merci. Elle est toute bête ce matin. Voilà, merci. Elle l'est toujours. Je voudrais quand même faire une remarque. La première remarque que je voudrais faire, c'est que quelqu'un sur le plateau a déjà souligné l'aspect. C'est-à-dire que Herman, je crois que c'est bien Herman qui a souligné l'aspect là. Oui. On parle d'une carrière. Absolument, c'est ça. Et c'est bien écrit, là. On a parlé de carrière. Voilà. On parle d'une carrière. Donc, je pense que si c'est une carrière, je crois que c'est bien possible. On peut effectivement sacrifier sa carrière pour pouvoir sauvegarder la vie du couple. Et je voudrais aussi souligner que quand on parle de mariage, écoutez, en Afrique, surtout au Bénin, combien de couples sont véritablement formels? Quand on parle de mariage, c'est pas ce que nous voyons où une femme trouve un homme aujourd'hui, il se jette avec le monsieur. Demain, il est tombé enceinte. Et puis la femme est tombée enceinte, et puis en une semaine, on est déjà ensemble, on fait un enfant, deux enfants, et puis les problèmes commencent à se poser. Et moi, je ne parle pas de cet état de couple. Si c'est de ça que nous parlons ce matin, là, ça va être difficile de sacrifier vraiment sa carrière pour sauvegarder un couple pareil. Je pense que nous devons voir comment est-ce que le couple est né. Quels sont les fondamentaux de ce couple? Je pense qu'avant, quand on parle de mariage en Afrique, surtout au Bénin, c'est les familles qui se marient. C'est les deux familles et non les individus, l'époux et l'épouse. D'accord. Et donc, si nous inscrivons dans ce contexte, je crois que la chose est bien faisable. Parce que quand on parle de couple, c'est quand même la vie de toute une génération. Les enfants que nous allons laisser dans ce couple, ces enfants-là, si ces enfants n'ont pas de valeur, ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut, ils n'ont pas été bien suivis. Parce que quand un enfant ou des enfants ont été abandonnés par l'un ou l'autre des parents, c'est toujours compliqué pour celui qui est présent avec les enfants de pouvoir subvenir à leurs besoins dans tous les domaines. Donc je pense qu'il faut voir ces côtés-là. Il faut surtout voir si c'est un couple ou bien c'est un concubinage. Très bien. Parce qu'en général, d'accord, au Bénin, nous sommes tous en concubinage. Moi, je le dis et je le certifie. Il y a combien de mariages formels dans notre région? C'est un sujet que nous allons aborder prochainement. Hein. On verra. Il y a combien de mariages formels. Voilà. Il y aura des statistiques que nous allons amener. Si on saute cet aspect-là où c'est véritablement un mariage qui a respecté toutes les procédures et qui est bien solide, on d'accord peut sacrifier sa carrière. D'accord. Merci beaucoup, M. Barthélémy. Cher monsieur, chère dame, franchement, je n'ai plus de temps.
10 secondes, et nous allons conclure. Non, on ira très vite parce qu'on a suffisamment élaboré sur ce sujet. Pour moi, n'est-ce pas, quand il s'agit de sacrifier sa carrière et autres, ce n'est pas un problème, mais c'est de savoir quelle est votre prochaine destination. Et il faut reconnaître que quand ce problème se pose, c'est que vous vous êtes assis pour discuter. Ces problèmes peuvent se poser. Quand vous êtes, par exemple, policier et que une ou deux fois, vous avez déjà reçu de balles et que madame craint que très vite, elle va devenir veuve et que ses enfants vont devenir orphelins, il y a de quoi échanger avec vous pour peut-être vous suggérer d'abandonner ce métier et de chercher un autre. Et vous-même, vous voyez les dangers. Est-ce que vous allez attendre la troisième balle lors d'un maintien de paix ou bien de sécurité et autres avant maintenant de vous décider? Vous évaluez tous ces détails-là et très rapidement, je suis sûr que le choix serait bien opéré. D'accord. Merci beaucoup. Herman? Oui, justement, juste rappeler qu'il y a des situations dans lesquelles on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. D'accord. Et deuxième niveau d'analyse, dire effectivement que dans le couple, il y a une voix qui est prépondérante. Et donc on peut arriver à imposer ça à sa femme. Ou si c'est la femme qui est la voix prépondérante. Elle peut arriver. Parce qu'il y a des situations où on n'a même pas le temps de réfléchir. On n'a même pas le temps de vous asseoir pour réfléchir. Parce que la femme vous convainc tellement que c'est ça qu'il lui faut pour faire le job. Il a pris le cas de l'artiste, par exemple. L'artiste qui dit que tant qu'elle ne chante pas, elle n'a pas le bonheur à elle. Le mari peut dire... Madame, vous arrêtez de chanter d'abord ou les choses s'en vont. Oui, et c'est okay. Ça peut arriver. Hein. Voilà. Il y a des situations dans lesquelles ça arrive. Et je vais finir rapidement par un exemple, juste quelques lignes seulement. C'est le cas d'une dame qui travaille dans une institution internationale et elle avait une très belle carrière devant elle. Mais le couple a été confronté à une situation parce que leur fille de 13 ans ou 14 ans était enceinte. Bon, le mari est également dans une institution internationale. Les deux n'ont presque jamais le temps pour rester à la maison. Et donc, il y avait un problème de suivi par rapport aux enfants. Et à ce moment-là, la dame, bien que ce soit douloureux pour elle, a dû laisser tomber son travail à la démission. C'est ce que je me suis tué à vous dire depuis ce matin. Merci. Ça peut arriver. Mais pas sur un coup de tête. On peut le faire. C'est pratiquement presque à terme que les parents se sont même rendus compte. Parce qu'ils sont pas là. Voilà. Et je reviens donc à ce que j'avais dit au départ. Oui, mais... Merci à vous, Akad Latouji. Merci à vous, Naguib Alagoui Wakhabali Para, Herman Parfait Anembosou. On va profiter pour dire merci également à M. Arsène Médéwayon, Herman Meton, M. Rodrigo Lou, Bruno Moncho, M. Cyprien Mehentor, M. François Adissa et M. Barthélémy Lokosou. Tous ceux-là qui ont essayé de nous joindre, mais qui n'ont pas réussi à avoir la ligne. Je donne rendez-vous le vendredi prochain, c'est le 25, hein? Vendredi prochain, c'est le 25, il n'y a pas émission. Donc, rendez-vous en 2021, justement, pour Fête des Sociétés. Et on va souhaiter un heureux anniversaire à un fidèle téléspectateur également, Kamal Adeoti. Merci beaucoup, merci à tous. Dans un instant, Mr. Franklin, il est artiste-chanteur, juste après, Eba Wade, il sera également avec nous. Mesdames et messieurs, restez en place. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement.
ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. LBM vous souhaite joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Du 15 décembre au 5 janvier, elle vous offre jusqu'à 25% de réduction sur la location de la Ford Everest, un véhicule tout-terrain et très confortable pour tous vos déplacements. Profitez de cette belle opportunité en appelant tout de suite le 60 60 60 01, le 60 60 60 63 ou le 95 16 00 02. LBM, notre passion vous transporte. À la maternelle, nous avons des livres comme Éveil graphisme, le livre de mathématiques et le livre de français. Au primaire, vous avez des livres en éducation sociale, scientifique et technologique, les livres de français, les livres de mathématiques, un livret d'évaluation, des manuels d'anglais, de mathématiques, des SVT et en SVCT également. De la classe de 6e en terminale. Ça ne peut pas témoigner que s'il est question de la qualité, si des élèves veulent réussir aux différents examens, je crois que les livres de la collection oxygène sont bien éduqués. Grâce au manuel de la collection oxygène, j'ai eu mon bac cette année. J'exhorte tous mes amis et camarades du premier cycle et du second cycle à opter pour les livres de la collection oxygène. Collection Oxygène, disponible dans toutes les librairies du Bénin. Garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Toutes les femmes africaines et à tous les hommes africains qui ont toujours maintenu leur peau toujours naturelle. Merci à vous et respect. Chakala. 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 Et voilà, nous sommes bien sûr vendredi, le plateau culture sur Actu Matin, deux artistes à recevoir dans un instant. Il sera en plateau Eba Wade, mais avant, c'est Mr. Franklin, bonjour. Bonjour Monsieur Christian. Nous partons à votre découverte. Mr. Franklin, c'est qui? On vous appelle également le Tigre Blanc, pourquoi? Merci, Mr. Franklin, à l'état civil, c'est Mivede, Franck Roger. Mm-hmm. Donc, tout coup pour couper, pour ne pas mettre ça en distance, je l'ai juste M, veut dire Mister. Monsieur, mm-hmm. comme les Anglais disent, anglais, oui. Voilà, Franklin, c'est un Franklin, un Franck, c'est-à-dire qui est clean, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est le... ça que fait Franklin. Oh, oui, oui, c'est ça le tigre est blanc. Le tigre blanc, parce que moi je vis dans l'esprit, mm-hmm. le Saint-Esprit est toujours blanc. Mm-hmm. D'accord. Alors, Mr. Franklin, vous êtes artiste, vous êtes chanteur, vous êtes auteur, vous êtes compositeur. Dans la musique béninoise, hein, ça vous fait déjà 3 albums. Oui, ça fait déjà 3 albums. Au début de ma carrière artistique, j'avais commencé avec Eric Alem. Je ne sais pas si les gens ont encore en mémoire ce grand rappeur béninois. Mmh, oui. Eric Alem, qui est devenu, voilà, qui est devenu pasteur aujourd'hui. Mmh. Sinon, on a commencé ensemble avec Eric Alem. C'était dans les années 90. Voilà, donc on a fait un long parcours. Après ça, bon, j'ai eu à voyager pour l'extérieur, mm-hmm. où j'ai préparé mon premier album qui était intitulé, c'était quoi, c'est Dieu
Dieu seul suffit. Mm-hmm. C'est le titre de l'album. Mm-hmm. Le premier album de Fonzo. C'était en quelle année déjà? C'est en 2007 que je l'ai sorti. Moi. C'est ça. Ah, oui. Et ça a connu un succès, cet album? Bon, en Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire. Mais au Bénin, bon, vous savez, bon, c'est un peu difficile au Bénin quand on n'a pas les moyens mm-hmm. pour pouvoir faire la promotion. Voilà, je pense que c'est un peu. Et ça. Le deuxième album Le deuxième album, c'est La gloire de Dieu. Je l'ai sorti en... Alors, premier album, vous avez chanté Dieu, deuxième album Oui, c'est Dieu, également. Dieu, toujours Dieu. C'est le troisième album où j'ai essayé de panacher un peu. Parce que la réalité du Bénin aujourd'hui, si tu ne panaches pas, je pense que tu ne pourras pas avoir le peuple. C'est-à-dire pouvoir... coller à la tendance, quoi. Voilà. La musique actuelle. Actuelle, voilà. Et merci. Le troisième album, c'est dans ça que nous avons eu. Oui, c'est ça. Et maintenant, j'ai sorti aussi des singles. J'ai au moins 4 singles qui sont là, qui ne sont pas encore sortis. Qui ne sont pas encore sortis, qui mmh. sont là. D'accord. Les 4 singles là, c'est en préparation d'un quatrième album ou c'est pour toujours par rapport au troisième? Bon, je suis en train de voir parce qu'au Bénin, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire des albums? Je ne crois pas parce que l'album aujourd'hui, c'est perdre du temps et perdre aussi les sous parce que avec la nouvelle technologie aujourd'hui, mmh. je pense que les gens n'ont pas besoin de l'album. Lorsqu'ils ont juste un son qui cartonne, ils vont sur les réseaux sociaux, ils téléchargent les sons et puis c'est fini. Mmh. Ils n'attendent pas forcément l'album de l'artiste mmh. pour pouvoir écouter le son. Mmh. Est-ce que c'est pas les singles qui lancent également l'artiste en attendant que l'album ne sorte? Oui, monsieur Christian, merci pour cette question. C'est le single qui lance l'artiste. Mais moi, j'ai compris que la sortie de l'album aujourd'hui, c'est perdre de l'argent parce que quand tu fais un album complet et que tu veux faire un lancement, aujourd'hui, avec le temps que nous traversons aujourd'hui, hey, c'est un peu difficile. Mmh. Ou que les gens viennent encore dépenser pour toi, ou tout le monde est méfiant là-bas. Mmh. Je pense que c'est un peu ça. Alors, en dehors de tout ceci, des difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours, est-ce que vous avez quand même senti quelque part des succès à votre actif? Oui, des succès à mon actif, oui, j'ai beaucoup. Parce que tout le long de cette année 2020, j'ai reçu au moins 4 trophées qui m'ont été décernés par plusieurs structures, des ONG comme des organisations artistiques. J'ai reçu 4. Tout récemment, j'ai reçu un trophée avec Blaise Antoine et autres, plusieurs d'autres artistes. Le samedi passé, le vendredi, j'étais à Dassa. J'ai reçu aussi un trophée. À mon arrivée aussi à Cotonou, j'ai un trophée c'est qui m'a été... Ça marche pour vous? Bon, pas, ça marche, mais c'est parce que nous travaillons dans l'ombre et les gens nous voient, ils savent ce que nous savons faire. Mmh. Voilà. D'accord. C'est les moyens qui manquent pour pouvoir booster la promotion et autres. C'est ça. Alors, vous connaissez Eba Wade? Oui, ah, c'est mon doyen. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la salle d'attente? Oui, bon, j'ai vu la personne, mais comme il a porté son cache-nez, je ne l'ai pas trop reconnu, sinon c'est mon doyen. Vous allez rester en plateau, on va le recevoir et avec la réalisation, on va passer un clip, le temps d'installer notre guest star ce matin. Corriger le clip tout à l'heure. Bonjour à vous, bienvenue, heureux de vous avoir.
Un plaisir partagé. Bonjour, mon professeur. Sévi, Kodjouvi et Bavadé. Ah, c'est ça. Carrément, carrément complet. C'est ça. Alors, vous avez totalement disparu des projecteurs de la scène. Totalement. Où devons-nous aller vous chercher? Bon, de temps en temps, on est ici, on est de l'autre côté. Mais pour venir se présenter à la nation, il faut quand même quelque chose. Parce que la télévision, c'est un marché. Et pour venir sur le marché, il faut avoir une marchandise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis là. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir. Hein. En plateau, vous avez un jeune frère également qui met ses petits pas dans vos géants pas. Oui, comme nous l'avons fait aussi pour nos aînés. C'est réciproque. Voilà. Et il y aura d'autres aussi après. C'est ça. Ainsi de suite. Alors, ça fait combien d'années de carrière déjà? Année de carrière. Bon, moi, je. C'est comme un pêcheur. Hein. Un pêcheur commence à pêcher, ou un paysan, dès qu'il a l'âge de faire la culture, de cultiver, il est à l'œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Donc j'ai commencé il y a longtemps. Très longtemps. Parce que nous avons fait nos petits pas. Hein. En tout cas, on vous suivait sur les chaînes il y a longtemps. C'est en 98 que ça a été accentué. Ah oui, avec les trophées Kora. Avec les trophées, on s'est amusé un peu. Et ça a pris. En Afrique du Sud. Ah oui, ça c'est vrai. À Son City. Mais comment vous avez vécu ça? C'est une compétition, comme tout autre. Hein. Comme je suis naturellement habitué au grand festival, parce que si j'étais même au festival d'été, festival de Tokyo, au Japon, avant l'Afrique du Sud. J'étais au festival de la francophonie à Limoges, festival d'été de Québec au Canada, avant l'Afrique du Sud. Donc c'est une compétition artistique. Comme je me suis habitué aux grandes scènes, et moi, je me suis lancé et je suis confiant et conscient que j'allais faire quelque chose. Je l'avais prédit même avant de partir, que je vais ramener mon trophée. C'est ça, ouais. Et vous l'avez ramené. En tout cas, votre musique a certainement une histoire que vous avez accepté partager ce matin avec les téléspectateurs de Canal 3 et de Actu Matin. Vous faites de la musique traditionnelle, le cultuel vous inspire très souvent quand on vous écoute et quand on vous suit vos clips. Quel est ce rapport que vous avez avec la culture? Bon, ce n'est pas un rapport. Je suis ancré dans ça. Je suis né au village. Et le village, c'est la culture. Vous êtes roi, hein? Je suis roi. Grand propos, précisément. Je suis né à Djodi. Et que Canal Djodi qui a disparu. Qui a disparu? La plage. Djodi plage. Oui, la plage, oui. Djodi lagune et Djodi plage. Djodi littoral. C'est Djodi littoral qui a disparu. Mais nous sommes Djodi lagune aujourd'hui. Bon, je me suis plongé dans ça depuis mon enfance et les morceaux qui nous ont bercés très très jeunes. J'ai commencé à œuvrer dans la culture et bon, qu'est-ce que je peux faire plus que les autres et qui peut me donner le nom que j'ai aujourd'hui? Ce n'est pas le reggae ou bien la salsa ou bien la rumba qui va me donner le nom que j'ai, c'est la culture. Donc c'est ce que je connais plus et je fais tout possible pour le faire mieux. Pour le faire mieux et bien. Et c'est tout. C'est ça. Qu'est-ce qui se cache derrière votre nom, Ebawadé? Ah, Ebawadé. Bon, Ebawadé, c'est quoi? Mais paraît-il que les Yoruba revendiquent aussi ce nom, que c'est aussi significatif en Yoruba. Allons ensemble. Mais c'est Hula, Ebawadé, qui prédit l'avenir. Il va faire quelque chose. Cet enfant va faire quelque chose. Comme je suis. C'est un nom de maison en Afrique. Donc, comme je suis en train de faire quelque chose, j'ai pris ce nom pour mettre sur ce que je suis en train de faire. Et Ebawadé a pris. Et ça a pris et ça vous porte véritablement. Vous êtes, quand on vous suit, hein, quand on écoute votre musique, en tout cas, vous êtes un fan des incantations Ebawadé. Vous les prononcez si bien que j'ai bien envie de vous demander de nous plonger dans cela en quelques secondes. Alors, pourquoi est-ce que vous les utilisez dans vos chansons, les incantations? Oui, c'est toujours notre culture. Si tu vas aller voir les Bukono, consulter s'ils ont pris leurs instruments, c'est ce qu'ils disent avant de te consulter. Ils implorent toutes les divinités,
tous les ancêtres. Et c'est impressionnant, c'est amusant. Même si tu vas voir le Hunon pour implorer leur voodoo, il dit des incantations. J'ai aussi un frère qui a un nom. Si tu l'appelles un surnom, si tu l'appelles pas ce surnom, ah, il peut te suivre jusqu'à l'eau goudron. À la fin de cette question, en répondant le nom. Donc, c'est impressionnant. Donc, j'ai essayé d'améliorer ça. Parce que j'ai étudié la culture, surtout dans les groupes traditionnels africains. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas exploiter ce que je sais faire. Et c'est ce que... Et vous le mettez dans votre musique et ça vous marche bien. Oh, on essaie de... C'est dans l'amusement que les vraies choses... Certains disent que c'est mystique, que vous implorez les esprits dans la musique pour attirer les fans. Bon, ça, moi, je peux pas me prononcer d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis en train d'imiter. Parce que c'est impressionnant pour moi, c'est agréable ce que disent les Bokonos, ce que disent les Hunons. Moi, j'ai pris ça pour m'amuser. C'est donc, en profondeur, je n'ai aucune idée. Alors, un nouvel album à votre actif ou bien c'est juste un single? En tout cas, ça marche actuellement. Oui, c'est juste que parce que les gens me posaient la question tout le temps, parce que je venais tantôt, je suis parti, mais on dit Bawadé est où? Viens nous chanter, qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus parler de Bawadé. Bon, c'est tellement, la pression est tellement costaud que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'ai jeté un coup d'œil dans le panier du village et j'ai trouvé encore quelque chose que j'ai essayé de faire plaisir à mon public. En tout cas, on prend du plaisir à vous écouter. Merci. Alors, la musique béninoise aujourd'hui, c'est vous êtes de l'autre côté, vous allez, vous venez. Est-ce que vous sentez notre musique évoluer? Nous avons des stars, des jeunes qui s'exercent à la chose. Est-ce que ça marche quand vous les écoutez, quand vous les suivez? Ah oui, et à l'époque, nous sommes au nombre de... La population, c'est 3 millions d'habitants. Et ceux qui faisaient la musique, je fais allusion à nos aînés, ont l'oreille musicale. Et ils ne sont pas beaucoup. Parce que pour faire de la bonne musique, il faut avoir l'oreille musicale. C'est automatique. C'est comme dans la forêt, il y a les singes qui sont maigres, il y a les singes qui sont robustes. Les singes qui sont robustes ont l'oreille musicale. Parce que, et l'oreille. Parce que les oiseaux qui couraient pour annoncer à leur prochain qu'il y a des fruits, si les singes entendent ça, ils suivent aussi les oiseaux oui. Et ils mangent bien. Mais le singe qui n'a pas l'oreille, lui, il ne suit pas. Donc, il est affamé, il est maigre. Donc, il faut avoir l'oreille musicale. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire la musique. C'est-à-dire, avant, c'était une passion. Une passion. Mais maintenant, il a envie de le faire. Mais ils n'ont pas l'oreille. Parce que Dieu, ce que nous appelons Dieu, le créateur ou la nature, il est tellement grand, immense qu'il a retracé toutes ces choses. Si tu veux être un bon musicien, il te donne une oreille musicale. C'est ça. Pour bien écouter ce que tu veux faire. Pour apprécier toi-même. Pour donner aux personnes qui veulent entendre. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes... Bon, si quelqu'un a l'oreille musicale, il chante bien, il est apprécié, il est star. Ah, lui aussi, lui, il a chanté, je veux aussi chanter, alors qu'il n'a pas l'oreille. Donc, il y a des bons et des mauvais. Et des mauvais. Est-ce qu'il y a pas un travail que vous, l'ancienne génération, vous devez faire pour véritablement les accompagner? Oui, il faut des formations. Même si on n'a pas l'oreille musicale, ensuite, avec les formations, on devient bon. Et tellement que les jeunes d'aujourd'hui, bon, je ne sais pas, c'est l'évolution spectaculaire du monde. Hein. Et les jeunes veulent tout de suite l'argent, parce que s'ils sortent quelque chose, ils veulent aller jouer et ils font ça au quartier. Sinon, les institutions forment les jeunes. Mais malheureusement, moi, c'est la raison de mon départ même au Bénin, parce qu'il n'y a pas aucune institution pour former. Donc j'ai entendu qu'en Côte d'Ivoire, il y a un conservatoire, une école de musique à Cocody-Abidjan. Et je suis parti m'inscrire à l'Institut national des arts et de la culture. Et voilà, malheureusement que notre pays, ça n'existe pas. Si on peut bien former les jeunes, avoir l'oreille musicale avant de s'engager. Je sais que je ne vais pas vous demander quels sont vos projets, hein, puisque vous en avez assez. Oh oui, bon, il y a encore une demande d'une tournée nationale, c'est ce que j'envisage, okay. Et avec l'accompagnement peut-être
du fond des arts de la culture, ça peut aboutir, parce que nous-mêmes, on est un peu fatigué si on n'est pas accompagné. Et on a du mal à investir encore parce que la piraterie est là, les clés, les cartes de noix. Oui. Et on est un peu. Bon, si on est accompagné, on nous accompagne. D'accord. J'espère que les choses vont aller mieux. Merci beaucoup, Eva Wadé. Mr. Franklin, oui, monsieur Christian, l'endroit de l'aîné. Non, c'est juste leur dit de nous accueillir lorsque nous venons vers eux pour pouvoir solliciter leur. Aide à pouvoir nous accompagner dans notre carrière musicale, parce que sincèrement, sans vous mentir, il y a des aînés qui ne veulent pas qu'on vienne vers eux, la jeunesse, mais il y a d'autres qui ouvrent leurs bras afin que nous venions vers eux pour pouvoir continuer dans la musique. Il y a des jeunes qui ne veulent pas. Pour quelle raison? Non, il y a des vieux. Il y a des aînés qui ne veulent pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ils ont leur raison. Je ne sais pas. C'est un peu étrange. Il faut tisser la nouvelle corde. Voilà, mais il y a d'autres qui ne veulent pas ça. Il faut la succession, c'est très important. Moi, je vais aller voir le grand frère avec plaisir. Non, je sais. On ne se connaissait pas aujourd'hui. On se connaît il y a très longtemps. Tout à fait. Très longtemps. Et je connais même son fils. Bien sûr. Allez, junior, je le connais, c'est mon gars. C'est la musique. Je le connais très bien. La musique, ou... Il est aussi dans la vie. Mon fils, c'est vrai, là, normalement, il m'appelle Pépé. C'est un enfant à moi. Je suis l'oncle de son papa. Et il voulait quand même faire comme Pépé. Et il a fait des morceaux qui sont pas mal. Hein. Il est bon. C'est pour ça même que je l'appelle. Et je sais qu'il a l'oreille musicale. Ah ouais. C'est surtout ça. C'est un ami à moi. Il n'est pas mal. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mr. Franklin, d'être passé par ici. Merci à vous. Plaisir, très gentil de vous parler. Merci pour ce que vous faites pour la culture des Lillois. Merci beaucoup. Merci Canal Plus. Merci aux techniciens. Merci aux téléspectateurs. D'accord. À tout le monde. Voilà, on va vous raccompagner avec ceci et juste après la suite d'ActuMat. Voler quelques minutes à la diffusion ce matin avec vous, l'enfant Claudio. Bonjour. Les caricatures de la semaine avant la revue de presse, on vous écoute. Bien, on va commencer avec cette caricature, c'est sur les démocrates qui ont reçu leur récépissé. Ils sont tellement joyeux que le monsieur qui est à côté se demande si c'est pas... Il est habillé en Papa Noël. Oui, habillé en Papa Noël. Il dit, mais récépissé, là, c'est visa de quel pays? Parce que pour être content comme ça, pour lui, ça doit être un visa. Et l'autre lui dit non, c'est diplôme des politiciens. Voilà. Sans ça, on ne peut pas faire vraiment de la politique. On continue avec le Père Noël. Et ce père de famille a des problèmes parce que la date approche. Et qu'est-ce qu'il propose au Père Noël? Il dit, on fait un deal. Père Noël, tu prends ce billet et tu repousses la fête de Noël. Voilà. Il repousse. Il ne comprend plus. Voilà, le temps qu'il voit clair. Toujours avec les démocrates, qui coach les démocrates? On voit bien le coach qui est à côté, qui dit ton adversaire c'est du loup comme un homme. Donc notre ami, il faut qu'il s'entraîne vraiment. Le récépissé ne suffit pas. On continue, concours des auditeurs de justice. Est-ce qu'il ne faut pas faire un exemple de ces tricheurs? C'est ce qu'il est en train de faire, regarder un peu son marteau. Tricher pour entrer chez nous, pas de pitié pour vous. C'est ça. Voilà. On continue toujours avec le même sujet. Là, on veut
lui donner sa peine. Détricheur. Voilà. Il dit, mais pour me juger, est-ce que tu es sûr de ne pas avoir triché à un concours? Un concours. Parce que un ancien tricheur ne peut pas condamner un nouveau. Voilà. La question reste posée. Là, c'est dans ça, c'est une menace. Et il dit, si tu ne me files pas les réponses, je triche et on annule le concours. Et nous tous, on reprend. Parce que c'est facile maintenant d'annuler les concours. Alors, est-ce qu'il ne faut pas profiter de ça? On continue. Cas de tricherie au concours des auteurs de justice. C'est le ministre de la Justice. Voilà, c'est le ministre qui dit, ces auditeurs tricheurs veulent mettre du sable dans mon gari. Et la dame qui est à côté qui dit, mais c'est méchant. Gari, c'est de l'or actuellement. Oui, c'est de l'or. Il ne faut pas qu'on joue avec son gari. S'il vous plaît. On continue, tournée du chef de l'État, une seconde phase. Oui. Il est toujours en jambe et derrière lui, celui qui l'accompagne dit, mais boss, c'est quoi ton secret? Même Ignam Pilé ne donne pas la force comme ça. Alors on va demander bien au président qu'est-ce qu'il mange. On continue. Scrutin présidentiel au Bénin, on proposait qu'on revienne à la constitution de 1990. Voilà. Oui. Regardez, en main, ils ont des coupes de vin. Et le premier dit, mais comment tu trouves l'idée de revenir à la constitution de 1990? L'autre dit, je trouve que le vin donne des idées de ouf. Et des idées, lui-même, il ajoute, éthylique. Voilà. Donc, il faut éviter le vin pour prendre certaines, décisions. Voilà. Investiture d'Alassane Ouattara, Sarkozy était présent. Il était content. Alors, il a dit, mais Ado, que me vaut l'honneur de cette invitation? Et Ado qui lui dit, je suis sans honte, j'ai besoin de m'entourer d'amis sans honte. Voilà, donc il se retrouve. Et on va finir avec cette caricature sur Trump qui normalise les relations avec Israël et le Maroc. Oui. Et il lui fout un coup entre les jambes, l'autre dit, aïe mes testicules. Et lui dit, ce coup, tu ne l'as pas vu venir. Voilà. Merci beaucoup, l'enfant Claudio, pour l'actualité autrement, à travers vos caricatures. Et ça se passe tous les vendredis sur Actu Matin. Bonne journée et bon week-end à la revue de presse. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'actualité ce matin se révèle être la restitution des œuvres culturelles du Bénin. Et comme le renseigne Nord-Sud quotidien, le Parlement français adopte la loi. Le matin d'expliquer que la France a officiellement un an pour remettre aux autorités béninoises les 26 œuvres du trésor du pays de Béhanzin, pillées en 1892 par le général Dodds lors du saccage du palais d'Abomey. C'est l'essentiel à retenir. Après le test adopté ce jeudi 17 décembre 2020 à la quasi-unanimité du Parlement français, 48 voix pour, aucune contre et seulement deux abstentions. Unanimité au Parlement, réticence au Sénat, fait observer Fraternité, qui explique qu'en France, les deux chambres n'ont pas pu s'entendre au sujet de la restitution des 26 statues au Bénin. D'un côté, le Parlement français a adopté la loi par 48 voix pour, aucune contre et deux abstentions, un vote qui traduit que les œuvres dont le Bénin et le Sénégal ont demandé la restitution cessent de faire partie des collections nationales françaises et ce par dérogation au principe d'inaliénabilité. L'événement du jour précise que c'est donc l'Assemblée nationale qui a eu le dernier mot le jeudi. C'est toujours ainsi que cela se passe lorsqu'il n'y a pas de consensus entre les deux chambres. Le journal ajoute toutefois que cette fronde des sénateurs n'était de toute façon pas dirigée contre les restitutions en elles-mêmes. Bénin intelligent de renseigner que d'autres pays entendent se voir restituer pareillement leur patrimoine pillé. Au nombre de 5, on compte le Tchad qui réclame l'ensemble des pièces tchadiennes présentes
dans les collections du musée du Quai Branly, soit presque 10 000 objets. L'Éthiopie qui sollicite 3081 biens culturels conservés dans les collections publiques françaises. Le Mali, 16 biens. Le Madagascar qui réclame l'intégralité des biens culturels malagasy présents sur le territoire français. Et enfin la Côte d'Ivoire qui demande une liste de 148 objets. Ce matin encore, quelques publications sont revenues sur la réouverture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. C'est le cas du journal Le Matin qui explique que cette réouverture est une décision surprise, comme l'avait d'ailleurs été l'annonce de la fermeture des frontières en août 2019. L'isolement commercial ordonné de manière unilatérale, sans concertation, n'avait pas été apprécié par les pays voisins du Nigeria frappés par la mesure. C'est un sujet qui revenait sur le tapis, souvent en coulisses, à chaque rencontre des dirigeants de la région. Pour Bénin Intelligent, si les conséquences sur l'économie béninoise ne peuvent être niées, la résilience de cette dernière a davantage séduit et étonné plus d'un. Toutes les prédictions annonçaient l'effondrement pour le pays de Patrice Talon, mais face aux rencontres infructueuses, le gouvernement, au lieu de pleurnicher, s'est vite tourné vers les palliatifs. Une promptitude qui a sauvé les maraîchers et autres commerçants dont les activités ont été frappées en plein cœur par cette fermeture brutale et sans préavis en violation de toutes les règles communautaires d'intégration régionale. Sur cette réouverture de frontières, indique la dépêche, Joël Aïvo et Eric Houndété se prononcent et selon le journal, les deux semblent dire, citation, « bâtir avec nos frères nigériens un avenir commun ». Le journal poursuit pour écrire que Eric Houndété salue l'acte et témoigne sa gratitude au chef de l'État du géant voisin pour avoir donné une suite favorable à nos plaidoyers en faveur de la réouverture des frontières. Pendant ce temps, se déroule la session criminelle à la Criette à Porto-Novo. L'autre vision parle de coups de balai dans les mairies et recette perception de Louémé Plateau. Le journal rapporte que le deuxième dossier inscrit au rôle de cette audience est relatif à une affaire de détournement de deniers publics à la recette perception de Zé. C'est une affaire dans laquelle est poursuivi le CSANE Armel José Hadil, la Cour statuant publiquement contradictoirement en matière criminelle en appel et en dernier ressort, confirmé en toutes ses dispositions le jugement par lequel le CSANE Armel José Hadil a été reconnu coupable de crimes de détournement de deniers publics mis à sa charge. Fraternité, parlant du troisième dossier, rapporte qu'il est relatif à une affaire de détournement de deniers publics impliquant un militaire comptable de l'armée béninoise qui a la gestion des fonds du 8e bataillon du contingent militaire béninois déployé en Côte d'Ivoire en 2008. Selon le journal, la chambre de jugement statuée en matière criminelle l'avait condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour les faits de détournement de deniers publics et au paiement de la somme de 10 250 000 francs CFA à titre de dommages-intérêts. L'UAC célèbre 50 ans d'existence, nous informe ce jour Bénin Intelligent. Au-delà de la fête dont cela fait l'objet, l'heure est au bilan du parcours effectué. Le recteur Maxime Dacruz, qui a la chance d'organiser l'événement sous son mandat, rend hommage à ses prédécesseurs, reconnaît le défi de réactualiser les offres de formation. La mission de départ, celle de former des cadres au service de l'administration coloniale, est aujourd'hui largement caduque, soutient le linguiste. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était la revue de presse pour mettre un terme à votre matinale Actu Matin. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti. Merci à chacun et à tous de votre attention et merci à la diffusion de Canal 3 Bénin pour son indulgence ce matin. Merci à la réalisation et à toutes les équipes de préparation de votre émission Actu Matin. Eh bien, nous allons profiter pour dire un heureux anniversaire à un collègue de la rédaction de Canal 3 Bénin, Teddy Goudalo. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire également à Kamal Adeoti, fidèle de l'émission. Bonjour à tous, bonne journée du vendredi, excellent week-end, rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire et prenez soin de vous. Au revoir.